Ah, mais gros, voilà. T'as vu Et du coup, Boateng après. au Barça? Hein? Boateng, il a signé au Barça, t'es pas heureux? Vraiment? Y a une interview de Moi, Jardim c'est pas le nom aujourd'hui. Boateng. Il y a une Ouais, j'ai interview. vu. J'ai vu, Jardim. Et il a dit quoi? Il a dit, je vais entraîner un autre club français d'élite, etc. Ouais. Et en gros, il y a Pini Zahavi, son agent, qui lui a proposé l'OL. Et Pini Zahavi, il propose d'autres projets à Bruno à côté. Donc ça se trouve, il va y avoir un saucy link-up de Bruno qui se barre à la fin de saison et Jardim qui vient à Lyon. Et je serai vraiment l'homme le plus heureux du monde. Et je serai Zahavi FC jusqu'à la fin. Bravo, bravo à vous pour la prolongation de Genesio jusqu'en 2026. Et merde. Ah, attendez, Ah. j'arrive. Ce qui est bien aussi, c'est France Football qui prend la première victoire en 6 matchs pour dire est-ce que Bruno Genesio a fait taire toutes les critiques? Oui ou Ah non. ouais, j'ai vu ça. Et justement, ils Tout le disent monde a quoi? répondu non. Tout le monde a Vraiment, répondu non. je te jure que quand t'es parti pour genre être un journaliste qui doit suivre l'OL, tu dois signer une charte de défense de Bruno qui fait que tu dois le défendre constamment. Genre, c'est beau. C'est trop bien. Oh, Julien. Ah, j'ai vu Malco. On en est où là Je dans l'aime. FM? Je l'aime, mon fils. Alors, dans Dans 300 FM, secondes. vous avez tous rejoint? On est Ah ouais. tous. Ouais. Sauf Kamel. Kamel, t'es là? Bah, je suis dedans, frère, ouais. Ouais, là, fait continuer, Ah, je pense. bah, faites continuer, faites continuer, faites continuer. Ah ouais, moi, Bon, alors, je attendez, suis en on train en de est où, faire du deux, trois coup? petits Alors, trucs. du coup, vas-y, vas-y. Je me permets. On est fin août. Fin août. On est le 28 août. Et on va jouer ce samedi. Moi, personnellement, je joue West Ham de Bielsa. Au niveau du classement, moi, perso, c'est Kamel le premier, si je dis pas de bêtises. C'est moi. Ok. Grâce à la différence de but, étant donné que j'ai mis 7-1 au West Ham de Bielsa, tu Oh vois le. là là, le boss. Chez eux. Effectivement, effectivement. Il y a Watford aussi premier, 5 victoires, 1 nul, le nul contre Yanis. Il y a Brighton, les Gunmen, qui sont troisième avec. Watford, c'est plus des Godman quand même, je trouve. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais grâce à la Spécial différence quand de même. but aussi, moi je suis quatrième, voilà, 15 points, il n'y a qu'un Merci à point toi, Johnny le d'écart. bro. Il y a Bienvenue Yanis à Zim, toi. la puissance financière, qui est cinquième avec 14 points. Arsenal de PA, 13 points, voilà, ils prennent leur marque. Donc 4 victoires, 1 nul, 1 défaite, c'est très grave. Il n'y a rien pour l'instant. On Voilà, fait t'es au avec, on fait contact du avec. podium. T'es au contact du podium, si je peux me permettre de dire. Bon, si tu peux te permettre, tu peux te T'es au permettre. contact de la première. Non, pas de la première place, étant donné qu'il y a beaucoup de Et différence. t'as le Tottenham de Malco qui, à la sixième journée, a déjà 10 points de retard. Voilà, je peux. Après, Malco, c'est comme ça, il Ouais, j'ai commence dit. 10. C'est un Ouais, moi, je suis diesel. un volcan, moi. Je suis un volcan. Il Ou un faut attendre volcan, que je rentre en ok. éruption. Un phénix. T'es le diesel, quoi. Un volcan, c'est plus près de faire Quand un volcan. je rentre en éruption, les frérots, écartez-vous de mon chemin. Oh là là, j'ai peur. Je. Moi j'aime bien ça. Oh, Johnny Lebro qui Il a dit ça transforme son depuis la sub Coupe du entière Monde, quand 3. même. La Merci à dernière toi, fois. poteau. N'empêche, vraiment, je me sens honteux de t'avoir menti, de te dire que je vais envoyer l'équipe Z. Puis quand j'ai vu leur forme, ils étaient tous à chaud. Non, mais il s'est passé des trucs chelous. Déjà avec l'autre là qui a mis Dorea en 6. Doula. C'est contre Alors, Burnley, quoi. pour Et ceux qui Burnley, c'est ont, ça. pour ceux qui auraient Il a raté gagné en ça, plus. en Carabao Cup, Yanis a envoyé une équipe contre Burnley, donc une équipe de première ligue, avec Paul Pogba au cage. Derrière en 6. De Ré en Umtiti 6 et Umtiti en pointe. Et il a gagné. Voilà. Mais Normal. alors que Burnley a marqué sur les 3 tirs qu'ils ont cadrés. Pogba a pas fait un arrêt. Prochain match, Bien si joué c'est ça, contre McCormick. un de vous, je sais que ça va être très marrant, genre vous allez mettre 6-0. Fait next, Kamel. Merci pour l'année de Que sub la compo, je la médicament. reconduis. Oui, bien sûr. Je Allez, te jure, je la sub. La reconduis. pleureuse de. C'est dur de suivre sur FM. Ouais, c'est normal. Après, tu vois, tu suis à peu près, même si tu loupes quelques sessions ou quoi, c'est suivre à peu près où on en est et tout, quoi. Là, j'ai des gros matchs qui vont arriver en plus. Ah, tu vas pas le faire. Comment je vais le faire? De quoi, de Je quoi? deviens Airbnb dans son crâne. Il a dit prochain Ah, match du PSG, je mets Pogba au goal. Je lui ai dit tu vas pas le faire. Il est parce en que... mode ah ouais, ah ouais, moi je vais pas le faire. Ah ouais, t'es Mais non, mais... sûr? C'est parce que j'ai envie de le faire, en fait. J'ai envie de Non, partir mais cette en plus, compétition. comme avant, quand vous étiez en train d'essayer de le dissuader, mais tu vas te faire virer, ne le fais pas. Moi, j'ai dit, mais gros, fais-le, t'as qu'une parole, sale chien. Et je l'ai fait. Et il Bah l'a oui. fait. Rien à dire, rien à Eh dire. ben, Mbappé encore blessé. Mais non, plus Erreur. maintenant. Blessé à 1 à 3 jours, ça Oh, va. ça va. Blessé suite à un changement de direction trop brusque. Lebro qui offre 5 subs. Merci beaucoup, Johnny. Qui offre un sub à Lama 33, Anto, Max 4, Clément et Bellator Johnny. C'est vraiment le bro. Il est... Mais je sais pas si c'est Johnny de l'époque. Mais en tout cas, merci beaucoup, mon pote. Ça fait super plaisir. Et bienvenue à tous. Vraiment le bro. Ah bah, Cassor, à qui le dis-tu? Mais je vois que tu ne peux pas spam les mots de Gunner, toi. Je suis très triste. Je suis très triste de voir ça. Bon, du coup, il a dit le yak, il est. Le yak de Bondy.
Le yak de Bondy, super. Vous jouez qui là? Vous jouez qui? West Ham, toi? C'est le Bielsa qui va venir en mentalité défensive avec un gros deep block, hein, je le sens. Et West Ham, fait que moi je me suis fait surprendre, hein. Kamel, il est passé tranquille, mais fais gaffe. Hein. Franchement, PA, moi je vais te dire un truc de manière peut-être très arrogante, je vais les enculer. Voilà. C'est beau, non mais après, c'est. Voilà, quoi. C'est comme moi, le pronostic. Tout ce que j'ai à dire, c'est que je leur ai mis 7-1. Attends, moi, on s'est pas peur pour toi. On s'est donné là, c'est un... parce qu'il connaissait pas encore ses joueurs et merci. Tout. Toi, merci. Là, tes joueurs, ça fait longtemps que tu les connais quand même. Ah ouais, ça fait longtemps que j'ai dit que j'étais confiant, j'ai dit que j'étais confiant. On peut rappeler l'équipe de Zach. C'est à chaque début l'équipe de session. L'équipe de Zach, on va la trouver tous les week-ends. On peut dire, les gars. À chaque début de session, tu sais, il y a un petit... Vraiment, rendez-vous quand même compte que je me fais vanner parce que j'ai pas transformé mon équipe de fond en comble. Hein. C'est magnifique. Hein. C'est absolument pour ça. C'est tout. Je me fais vanner parce que j'ai pas fait 40 transferts, que je suis pas sur fut 19, genre. Oh putain. Il y en a qui ont fait 40 transferts et qui sont 16e, quoi. Bon, après, il fait jouer les moins de 18 aussi. C'est autre chose. Et qui envoie Eriksen. Là, il envoie des collégiens sur le. Jean-Félix. Malco, putain. Oh putain, dans demain, c'est jour de match. Allez, go next. Faites continuer. Ah là, en vrai, c'est le feu, le. Comment ça s'appelle, les multiples, parce que tu sens que t'as pas le droit à l'erreur, parce que. Bah, genre, il y en a un qui forcément qui s'envole, quoi. Bah oui, gros. Oh là là. Mais après, quand le mec il s'est envolé, il en fait 4 de crise. Ouais, ça. Tu peux rattraper. Heureux, genre. Mucho, bienvenue à toi, c'est Johnny Lebro encore qui lui offre un sub. Oh là là, quel boss, quel boss. Merde. Du coup, moi, Vulture Gunners, il y a des fois sur 3 Come on, you Gunners. Il y a des fois où c'est trop lourd. Après, moi, c'était terrible dans la saison dernière. Rappelle-toi, c'était en novembre ta période où t'étais dans une sauce. De novembre, un mois entier, que des matchs nuls, des fesses. Ah là là, c'est dur ça. J'étais en mode, mais c'est fini, je suis viré. Ça arrive, c'est pour bientôt. Mais au final, ça m'a fait gagner en maturité. Bien sûr, voilà, t'as fait un truc avec ton groupe. Jacques, on se joue dans deux matchs, là. Bah, je te sens dans deux matchs, ouais. Putain, dommage, frérot. Non, mais rentre chez toi. Moi, mon prochain match, c'est début novembre, c'est contre Kamel. Moi, je vais tenter une nouvelle tactique. Alors, moi, je joue West Ham, Apoel, après, je joue Yanis et City. Apoel. Yanis, puis Kamel. Moi, je joue Valence. Moi, je joue Madrid dans le match après la première ligue, là. Moi, je joue Galatasaray. Oh, le Real Madrid, club des footballs, il met pression quand même dans le calendrier là, sur quand les joueurs arrivent. C'est genre waouh! Attends, je vais aller voir leur effectif, je suis sûr qu'il doit être dégueulasse. Bah, ils ont Aguero, ils ont David Silva aussi que j'ai vendu 60 ouais. millions. Ouais, non, mais gros, bien décharge, toi. Il a un Airbnb dans leur tête. Hein. Dès que j'ai un mec de 35 ans, proposé au club bien. Real Madrid. Allez-y. Tu te mets bien. Je fais pas cher, les gars. Mais en plus, ils ont fait match nul contre le Spartak. Mais frère, c'est après Real Madrid, ça prouve que des Real Madrid du Mexique. Faut ouais. R pour Madrid, je crois. Ils ont pas les droits. Ouais, c'est R pour Madrid. Ah non. Ah, mais j'ai un gars, il vient d'offrir 15 subs là depuis le début du live. Mais c'est beau. Mais bravo. Félicitations. Bravo à toi, mec. Ah, mais c'est ça. Non, Aguero, Isco, Bale, Cruz, Johnny Lebro, merci beaucoup. Ça va, hein. 15 subs offerts. Docteur Biboun, Bob, Sax 97, FIFA 17, Dark Liam, Val, Swooky, Snaker, Alatreon, Nezok, bienvenue à vous. Bolox aussi, mais qu'est-ce qui se passe, Johnny? Johnny n'arrête pas. Je veux du clap-clap pour Johnny, s'il vous plaît, parce que le frérot, il est arrivé, il a sub, il a mis tier 3 pour lui, et ensuite, il a régalé tout le monde, là, il est à 15 subs offerts. On est 2216 désormais, parce qu'on était monté à 2250, ce qui a fait que c'était notre record, et on a perdu sous les 100 subs, là, mais c'est beau ce qui se passe. Hein? Ouais, c'est l'important. Ah ouais, mais bon, le joueur de l'équipe dispo. Ah oui, hey, ok, ouais. Ton Fousi Goulam, il est au réel. Ouais, je sais, c'est pour ça que je voulais faire un échange. Ah, je savais pas. Franchement, il est bon leur effectif, mais il est pas non plus incroyable. Tu penses quoi de la banderole? La banderole sur Memphis, je trouve ça honteux. Moi, franchement, je vais pas mentir, j'ai rigolé un peu. Yannis, j'étais mort, excusez-moi, mais j'étais mort. Ça va, ça fait partie des derbies, tu vois. Ouais, je vais pas mentir, j'ai bien rigolé. Ça fait partie d'une des dernières grandes rivalités dans le foot, dans Etienne Noël. Pour ceux qui savent pas, en gros, c'était une banderole qui disait Memphis, 5 millions de followers, mais toujours pas de père. Et moi, perso, j'avoue, j'ai rigolé. Voilà, je suis un gamin, je suis adepte de ce genre d'humour, ça me fait trop rire. Zach. Non, bah, je t'aime trop, c'est trop bien. Aucune mauvaise prestation à l'entraînement, ça fait un siècle que j'ai pas eu ça. Oh là là, moi, frérot.
Ronaldo à l'entraînement 4,60. C'est Joël Matip. Moi, c'est Koscielny. Hein. C'est la première fois que je vois cette note. Mais soutien de l'entraîneur, très bon. C'est la première fois que j'ai ça de ma vie. Tu m'étonnes, en même temps, t'es pas mal là dans la saison pour l'instant, Kamel. S'ils sont pas contents maintenant. Yes. Non, mais même quand on avait gagné la C1, le résultat truc de l'entraîneur, c'était moyen. Genre, ah ouais, ça te crachait un peu dessus. Bah, tu viens de gagner la Ligue des Champions. Mais non, mais gros, ces joueurs lui crachaient dessus. Les supporters disaient que c'était que les joueurs qui avaient fait le taf. Ah ouais, d'accord. Kamel, c'était un tapis de bain. Hein, ils l'ont appelé la fraude ambulante. Ils ont rentré. Putain. Quelle vie. Il faudra au top pour les battre à nouveau, mais ça devrait passer. On parle de Leicester quand même, ils sont 19e. C'est le deep block. Hein. Au top, je pense pas. Hein. Ah oui, c'est Claude Puel. Hein. Oh, deep joueur, block. Deep Puel. Ah, ben, j'arrive pas à le dire, ça. Allez, on abandonne. Ah mais tu vas voir quand tu vas jouer contre sa mère, wesh, c'est le matin. Wesh, mais oh, Kamel. Ah, Kamel, que se passe-t-il? Mais ressaisis-toi. Ah, il y a Carabao Cup. Le mec s'est pas parlé. Oh non, les tirages. Leicester United. Leicester, yes. Oh, je suis contre Nottingham Forest. Attends, mais je joue qui, moi? Allez, le Manchester City-Liverpool, allez. Est-ce que... Nottingham... Ah, le Nottingham Forest, il fait plaisir. Nottingham North East. Moi, je les ai joués, ils sont nuls. Kamel, je te propose un gentleman agreement. Un gentleman agreement, on s'en bat les couilles de ce match. Moi, voilà. C'est pas dans mes objectifs de la saison. Je te propose, on s'envoie des équipes tranquilles, genre. Après, la fois que t'as dit ça, il a mis Van Dijk et tout, il se rentre. Non, mais. Non, mais toi, t'es trop nul. Mais moi, je. Moi, c'est pour ça que j'ai dit gentleman agreement. Malco, il est éliminé, il s'est fait éliminer par Liverpool. 7-0 dans ce match. J'ai l'impression que t'as fait chez Twitch. L'importance. T'en fais plus que Twitch, t'inquiète. Tant qu'en Ligue des Champions. Mais toi, vraiment, ce serait trop lourd que tu te fasses éliminer, genre en 8ème. Après, c'est pas grave, en vrai, si j'ai gagné celle d'avant, tu vois, je fais comme le Real. T'as Cheikh Mansour Ben Taïb Al Nahyan qui va. Gros, t'as vu, maintenant, je le connais par cœur, son blaze maintenant. C'est pas Ben Taïb, hein, je crois pas que ce soit ça. C'est quoi? C'est Ben Zaïd, je crois. Ibn Zayed Al Nahyan. Oh, voilà, c'est ça. Mais le El Nahyan. Mansour Ben Zayed Al Nahyan, ouais, c'est ça. Ben Zayed Al Nahyan. Le deuxième président, c'est Khaldun Al Mubarak. De City? C'est quoi? Khaldun Al Mubarak. Khaldun Al Mubarak. On dirait vraiment le JT de deuxième, genre, le présentateur. On veut le quadruplé. Non, je joue pas le quadra là, je joue juste une coupe, ça me va. Bon. Au passage, le rouge d'Arsenal vient justement de Nottingham Forest. Pourquoi, raconte? C'est intéressant l'histoire derrière tout ça. Tu comptes renforcer quelle poche? Je sais pas, là je me pose des questions si je dois jouer avec un 10, si c'est pas mieux de jouer avec un 6 finalement pour organiser un peu mieux le jeu. Ozil, il a du mal. Une grosse doublure en attaque pour Oba. Voilà, c'est ce genre de joueur. Combien le record de sub de 2255, je crois, hier on a fait. C'était le max. Tu l'es ici, il m'a dit, ouais, je vais t'envoyer l'équipe C. Mais gros, à croire que t'as envoyé une équipe C, toi. Voilà, bah merci. Oui. Bah non, c'est pas le cas, ça le chien. Il est où Fernandinho, il est là. Vas-y, je joue. Je suis à l'extérieur ou je suis chez eux? Fernandinho. J'ai rien à foutre, je joue en offensif. Ouais, je vais mettre Tierney aussi. Mais encore 10 subs, Johnny Lebro. Mais que se passe-t-il, Johnny? On est à 26 subs offerts là depuis 10 minutes. Personne d'autre a eu le temps de sub à part toi qui a offert des subs. Il y a Karzea, Kaiz, Rikation, Noxnea, Nomis45, Teenage Dirt, Tommy OLCS, Tuswan, Wesh Y alors. Wesh Y alors peut-être. Barset, Chachou83. Eh ben merci beaucoup. Merci énormément Johnny. Je veux du clap dans le chat pour Johnny des émotes du Gunner parce qu'on va bientôt. On va bientôt, les potos, partir en match. Et ça, je compte sur vous pour l'encouragement pour les joueurs. Mais les attaquants intérieurs ou les ailiers. Bon, en fait, les attaquants intérieurs, je les aurais bien mis. Mais Chiesa, je vais t'expliquer pourquoi. Compagnie, il est droit. C'est compagnie, je m'en fous en vrai. Oh, Jadson Fernandez, il s'est fait quoi, gros? Il s'est blessé 5 mois. Là, il va revenir, ça veut dire. Y'a pas un truc de Joker, genre? Joker médical. Comment ça? Ouais. Non. Enfin, je sais pas comment ça marche en fait, je vais pas te mentir. C'est un prêt, je crois, c'est ça que tu peux avoir. Ouais, c'est un prêt ou un petit. Ouais, un prêt. Ah oui, non, c'est ça que c'est pas. En vrai, propre de ouf, il a du flow. Ah. Il est en soutien alors, ok, d'accord.
Je le mettrai plus tard. T'as suivi la qualif de overtime en produit code. Ouais. On va faire jouer d'ailleurs. Ah, c'est propre ça d'ailleurs, putain. Ah ouais, c'est putain de propre. C'est ouf, Whalers là. Ouais, c'est. Ah, j'ai regardé même moi avant de dormir hier, j'ai regardé. Ça avait du flow. Oh là là. Marcelo Bielsa avec El Di Bloquinho. Oh, moi, ils m'ont mis 5 def, 4 milieux centres en Newcastle. Ah, ils viennent armés sur le Di Bloc là. Le fameux 10-1 de Claude Puel. Attends, je regarde. C'est quoi ce délire là? Putain, ils m'ont mis un bloc avec Mister, bienvenue à toi. Soraxao, bienvenue. Soraxao, pardon. Putain, moi, Briton, ils vont pas de ma mort non plus. Hein. Ces enculés. C'est exactement la même chose, hein, Kamel. Hein. Il est venu en formation tortue. Ah oui, le fameux 10-1. Bon, on connaît pas de causerie. Oh, j'ai motivé Ozil, ça a motivé tout le monde. Il faut le faire tout à l'heure à Seb, frérot. Et c'est le match! Et c'est parti, les gars! Oh, mes zouts! Let's go! Putain, comment c'est trop beau de voir. Oh là là, ça m'avait manqué hein, depuis hier. Je suis en crise. Non, t'es pas déjà en crise. Oui, on bam! Oui, monsieur, dès la première minute! J'ai pas le droit à ce bonheur, moi, pourquoi? Ah, Zach? Il est que pour Arsenal, ce bonheur, maintenant! C'est toi qui avais tapé. Non, c'est moi, j'ai un bureau aussi, j'ai bien. Let's go! Un petit coup de bureau peut-être. Wesh. C'est en cours de plot. Va y avoir une nouvelle émote qui va arriver. On est provisoirement quatrième au classement de cette première ligue. Attention, rien n'est joué, mais pour l'instant c'est Arsenal qui a les mains. Luis Felipe sur un corner tiré par Lucas Torreira. 7ème minute de jeu, l'Emirates Stadium est debout. Voilà ce qu'on vient délivrer. Luis Felipe sublime. Une petite erreur de main ici de Dubravka. Et déjà 2-0, come on you gunners. Là, j'ai cru qu'il y avait un truc dans la tasse, j'ai vu ça partir, j'ai cru que le café était en train de se renverser, j'étais déjà dans un autre monde. Bon, 13ème minute, pour l'instant c'est que des actions offensives, Alan. Oh Alan, ça passe à côté. Oh, ça fait plaisir de revoir du foot. 8 tirs à 0, 64% de possession. Et Johnny Lebro, qu'est-ce qui se passe? Johnny Lebro qui a offert full sub encore. Johnny Lebro qui vient d'offrir 20 subs. Johnny Lebro qui vient d'offrir 20 nouveaux subs. I'm Blex TV, Carlito, 8Wall, Stradivarius, ADN, Offscale, c'est but! But de Martins, 3-0! Oh, je sens que je vais avoir une rupture d'anévrisme ce soir. Skens 4, bienvenue, Pepito, 377, Arcadingue. Je ne peux, vous êtes, il y a trop, je ne peux plus. Adrianov qui a offert 10 subs aussi, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est la folie! Il y a trop! Où suis-je? Skanes, Legacy Bull, Stefouz, Nero FPS, Denis, Dit 33, Loliox, FR Popo, I Will Not Int You, Asdermit, et but! But de Alan! Et 4-0 à l'Emirates Stadium! Goal! Oh, c'est incroyable! Oh, c'est incroyable! 10 subs par but! Ah bah, les gars, là, c'est beau! C'est très très beau! I'm Aska, Burpee 97, Lucas, I'm. Onizuka, Angrito, C'est pas moi 69, Perseto, Geta Pandlicorne, je ne sais pas, et Unslot, ses veines vont claquer. Ouais, j'ai senti que mes veines de front allaient exploser, ça m'a fait un peu peur d'ailleurs. Merci beaucoup Adriano aussi qui a offert 10 subs et but! Et but! Et but à l'Emirates Stadium! 5-0! 5-0! Oh là là, c'est incroyable! C'est fou! Oh, c'est fou, il y a Adriano qui vient de réoffrir 5 nouveaux subs. Mais qu'est-ce que vous êtes fou? Mes voisins vont me tuer. Ça va, il est 16h encore. C'est très très beau. Angrito, c'est pas moi 69, ça j'ai dit. Non, c'est Unslot, Kevin, Moonwalk, TOOM, what's up? Et pas de but, hein. Oui, le poteau qui nous sauve, c'est très bien. What's up in your net, et je te biffle, bienvenue à tous. Bienvenue les potes. Je vais me... Oh, c'est beau. Allez, encore, on pousse. Alors la Lana là, hein, la Lana qui est en face là. Luis Felipe pour Torreira pour Alan. Alan qui va décaler pied droit, la lucarne. C'est incroyable. 6-0. Mohamed Salah, on met tous des tartes là. Yanis, tu fais quoi toi? Oh là 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 là. Oh, c'est incroyable. Doublé d'Alan, doublé de Martins. Martins qui était en difficulté, on savait pas si on devait le sortir. Et finalement, c'est juste fou. Ce qui se passe pendant ce temps, il y a tous les subs qui sont affichés. 20 tirs à 1. Oh, les gunners sont présents. Les gunners, c'est véhément. Je suis très content, les gars. Il y a des gens, encore une fois, qui viennent, qui payent leur place pour venir au stade avec leur famille, qui n'ont pas une semaine facile. Et voilà ce qu'on leur propose. Quoi, Johnny?
Johnny, c'est 20 subs à nouveau. Il a offert 66 subs en 40 minutes. On va plus en pouvoir de Narcus, je vous le dis. 20 nouveaux subs. Johnny qui a offert des subs à Heraclio, Space, Space Gourio. But. Attendez, c'est peut-être une action de but. Peut-être une action de but ici. Deuxième poteau, c'est penalty. C'est penalty clairement ici. C'est un péno qui va être tiré par Martins pour un triplé. Et Martins qui va valider son triplé qui se met très très bien dans cette rencontre. 7-0 pour Arsenal. Oh là là, mais c'est incroyable. C'est trop beau. Baxio, bienvenue. Réol, bienvenue. Iridisto, bienvenue. Gourio, The Greek Freak, Abuseaka, The Firox, Démon, Valentin Milon, Canastra 49, Zirema, AZ Def, Skip, Rando MD, Kiki Nuts, Maël Destroy, Flash Forward, Nacholito, bienvenue. Et il y a Ivernas qui a mis son propre sub. Bienvenue parmi nous, mon pote. Mais on a 2900 là, il va y avoir autant de subs que de viewers. C'est incroyable. 73e minute, faut peut-être que je fasse des changements, mais on est à 7-0, mais on va faire rentrer les jeunes qui profitent aussi un petit peu de cette folie, de cette fête. Voilà ce qu'est le football. Rick Pai aussi qui décide de mettre un Twitch Prime, 26 tirs. Bah mec, on va faire rentrer un petit jeune ici, Eden Hazard côté gauche. J'ai bien envie de Martins, c'est compliqué de, on va pas sortir Martins, j'ai envie qu'il joue ses 80 minutes. Allez, un petit Chaka ici. Et Rob Holding, parce que j'ai bien envie de le tester à la place de Militao. Même si on va pas le mettre en stopper, on va le mettre en défense. Un truc classique. Oh là là, c'est beau. 2282 subs. J'espère que t'as muté les autres pendant les matchs. Là, ça, ouais, ils m'entendent pas. Parce que sinon ça, ils auraient craqué, je pense. Quel moment de foot nous vivons. J'ai personne. Là. Oh les gars, ah, c'est incroyable, putain. Vous en êtes où, vous? Toi, tu venais, tu repartais. Un mec, non mais il y a un mec depuis tout à l'heure là, il a 80 subs offerts si tu veux, donc, et en même temps je suis en train de mettre 7-0, donc c'est la folie, c'est peut-être 8. Ah c'est pas fini en plus. Si tu veux c'est... Je commence à mettre des scores là, mais mes joueurs, voilà, le laser game d'hier qui paye vraiment avec les joueurs. Des scores fleuves quoi. Yanis dans la sauce peut-être? Non. Oh là là. Tu sais, je suis tellement sur ma défense. Jardy. Gomez. Oh. Ça, c'est en anglais, ça. Oh, mon dieu, magnifique. Magnifique, oui ou non? Franchement. Allez, la dernière action à l'Emirates Stadium. Alors, c'est Newcastle qui fait tourner. Newcastle qui a peur d'en prendre un 8ème. Lalana qui regrette d'avoir quitté Arsenal. Il le sait que c'est triste. Oh, United qui met 3-1 pendant ce temps. Ça se passe plutôt bien. Un long ballon, Luis Felipe qui va dégager en touche. On est à la 92ème minute. Pression que ça va siffler, ça va mettre très très bien Arsenal. L'esprit, le mood qui est positif, on peut s'applaudir après cette belle rencontre. 31 tirs à 3, 17 tirs cadrés, 7 buts. Un but de Pierre-Emerick Aubameyang en début de match qui a vraiment lancé un petit peu cette rencontre. Derrière Luis Felipe de la tête, Martin sur un triplé, on lui a fait tirer. Moi j'ai toujours ce truc de, j'ai toujours coché ça. Si jamais il y a un doublé, le mec il prend et il met son triplé, ça va le remettre en confiance. Martin, s'il avait du mal à se mettre dedans, Alan en box-to-box qui met un doublé. Messieurs, je veux ce genre de match. Je veux ce genre d'attitude, je veux ce genre de sensation. Voilà pourquoi je joue à Football Manager. Je regarde ton effectif, tu dois avoir des cracks qui jouent absolument jamais, ça doit rendre fou. Genre. Si, il y a juste un qui joue pas en vrai, parce que j'ai Cancelo et Walker. Il y a Mbabu, il y a quoi, oh, y a... C'est quoi y a... ça? Moi je suis sûr que t'as aussi, comment ça s'appelle? Tonali, il joue jamais. Il joue. Ah ouais? Vous avez fini vos matchs là? Oh ouais, c'est bon, c'est fini. Ah, c'est un peu figé, là. Ah non, c'est bon. Oh, il y a Chelsea qui se fait accrocher. Et attends, faut reconnaître que Malco est allé chercher le 2-1 chez Briton. Ah ouais, sans souci, hein. Gagner 1-0 en plus, hein. Ouais, c'est la sortie de la crise, hein. Il a fait 14 victoires d'affilée. C'est tous ensemble de Narcus. Ah oui, ça y est, t'as fait une nouvelle tactique. 12 ou 13, je sais plus. Ah si, tous ensemble. Les subs s'arrêtent plus, c'est incroyable. Merci à tous en tout cas, merci les potes, ça fait hyper plaisir. Mbabu. Cette l'année prochaine. Oh là là, eux ils choquent. Et Mbabu prend sa place. Fait next. Vas-y, c'est parti. Bon bah, tout le monde a gagné du coup là, ce premier match. Ouais. Bah ouais. Ouais. 2-1. 3. Ah, dommage. Ah, Watford a fait nul. Ah ouais. C'est pour ça que je passais 3ème. Chelsea aussi. La racaille de Vicarage Road. Les mecs en sur-régime, bah c'est bon, ça redégage. Ouais, ouais, c'est beau. C'est bon, là. Comme Arsenal l'an dernier. Oh putain. Eh, ça se rapproche là dans le classement. Ouais. Vos différences de but ont un peu augmenté. Icardi reconnaissant envers Zim pour son soutien, bien sûr, mon pote Icardi. Ramène juste un copain à Léo. Tout ce que tu demandes.
Lui, il veut... Bon, est-ce que vous voulez que je revienne ou pas, les gars? Faut me le dire, faut me le dire, quoi. Hein. C'est le chantier des subs. Putain. Tu vas tester le concours Bean pour casser les matchs avec Da Fonseca. Bah, écoute, je sais pas. Ça pourrait être marrant, en vrai. Ça pourrait être des barres. Bon, on est pas mal, les potes. Une victoire qui fait vraiment plaisir. On est dans une bonne dynamique. On sent que le jeu est là. On produit des choses. Après avoir, va falloir adapter. Mais en tout cas, contre un Newcastle qui était 15e, hein, qui avait fait quand même deux victoires, on montre quelque chose de bon. On est à 3 points de la première place. Et surtout, on prend un bon différentiel de but juste devant Liverpool et Manchester United. Donc plutôt positif. On avait perdu un sale match contre West Ham où on menait 1-0. On s'est fait remonter 2-1. Et match nul contre Everton. Ce match de foi, ça fait plaisir. Tur dans le match, hein. Cet enculé de Claude Puel, j'ai trop les nerfs. Faut arrêter de les faire jouer sur des piques à glace aussi là. Mendy commence à rééducation. Il est toujours blessé, même dans le jeu. Oh, non mais gros, il s'est pris un 7 mois avant la fin de les. Il y a moins croisé juste avant la fin de merde. Hein. Ah match de merde. En plus c'était vraiment un match pourri, je crois. Ouais. Bien. Juste avant la finale de la Ligue des Champions, j'étais en mode merci frérot. Ah ouais, t'as dû y aller avec Tierney. Mais Tierney, c'est un crack, hein. C'est juste non, que Tierney, en fait, c'est en Ligue des Champions, vu qu'il était jeune, c'est pour ça que j'ai ça à Malco. Bah, tu sais, il était nul, genre, parce qu'il s'est pas joué en Ligue. Mais bon, avant que. Ça n'en finit plus, mais il y en a eu tellement. Bon, c'est pas 3 ans, mais c'est toujours ça. Merci beaucoup, Tocha. Merci à toi, mon frérot. Okay, oui. Deux poteaux et tout dans le match. Ça doit être dur à vivre, mais il y a eu, je crois, il a offert 70 subs, Johnny Lebro. Et il y a Adriano qui a dû en offrir 15 ou 20, plus les subs qu'il y a eu. Je crois qu'on a eu peut-être 100, quasiment 100 subs, hein. Pas loin de 180 et quelqu'un. Bon, on va se déplacer au Real maintenant, les gars, c'est le vrai test. Vas-y, répète ce que je viens de te dire. C'est là qu'il faut les calmer un peu. Ouais, il m'a répété. Oh, c'était Tocha avec un... Ça s'appelle Groot. Merci, un tier 3 en plus. Comment ça s'appelle, c'est quoi votre Ligue des Champions? Galatasaray. Apoel Nicosie. Oh, ça va. Ah, mais toi, t'avais eu Atletico, non, déjà, Zach? Ouais. T'avais fait combien contre eux? Phoenix et Nice, j'ai fait 1-1 chez eux. Ah ouais, putain, j'ai joué Milan là. Putain, je joue Paqueta. J'ai juste mes joueurs. Je vais les laisser gagner, frérot. Et les potos, on vient juste d'avoir la nouvelle émote Domingo Venn. Quand va y avoir des résultats pas très satisfaisants. Ah, mais Torreira, pourquoi tu t'entraînes pas bien à ce poste? Oh là là. Quand va y avoir des sales résultats. Mais parce qu'il s'entraîne à l'autre. Oh là là, quel enfer. Du coup, il est moins chaud. Oh, il est de moins en moins chaud. Ah, maintenant, ça y est, il s'entraîne en défenseur centre. Il s'entraîne en défenseur centre? Mais c'est quoi cette merde? Alors, c'est Oh là là. Et moi, j'ai des trucs. Tu savais pas? Je savais même pas, frère. Moi, je pensais que vous saviez, hein, sinon je l'aurais dit. Comme d'hab, quoi. Après, sinon, si vous voulez mettre vraiment tout le monde au repos, vous allez dans entraînement, vous changez un peu les programmes d'entraînement, vous mettez des trucs, vous mettez repos, là. Ah ouais, du coup, dès que t'as un mec qui... Genre, quand t'as deux matchs soit enchaînés, bah, tu fais ça. Hein. De quoi? C'est quoi, mettre repos, Yanis? Ouais, mettre repos. Tu vas dans entraînement. Ensuite, tu vas dans... Ah, et en plus, tu peux, vu que, genre, s'il y a un mec qui manque de temps de jeu, tu peux augmenter l'intensité, genre. Ouais, tu mets... Repos, et après repos. Après, tu peux choisir en fonction de leur pourcentage, genre, tu sais, s'ils sont à 110%. Tu les mets au repos pendant, je sais pas, genre 2 jours, ils sont à 80%. Ouais, les Milner va jouer. Intensité, tu vois ce que je veux dire. Attends, mais après, abusez pas trop, parce que sinon, ça augmente le risque de blessure, genre ils sont hors rythme. Moi, j'avais Torreira, le mec, s'entraînait en défenseur défense centrale, quoi. Heureusement que j'ai check, parce que... Ouais, moi, j'ai check plein de trucs aussi sur ça. Ah ouais, moi, j'ai pas de check. Ah mec, sale bail, là, il peut plus jouer milieu centre, tu sais, selon le jeu. En mode, c'est plus un poste naturel pour lui. C'est un peu relou, quoi. Oh, j'ai pas de check, ça, c'est ouf. Moi, j'ai Mbappé, qui bah, vu qu'il était à droite au PSG. Regarde, Zach, c'est un coup, là, c'est vrai, il est en gardien, là. Même moi, Pogba, là, je sais pas si... je regarde si c'est un coup, exactement. Tu vas dans entraînement individuel. Et tu regardes... Individuel. Pour chaque joueur. Après, normalement, si tu vois rien de... Si tu vois rien de... Merde, comment ça s'appelle? De dinguerie. Ouais, je vois pas trop de dinguerie, ça va. Ouais, si tu vois pas de dinguerie, bah touche pas. Ils font très bien le taf, les adjoints. Ok. Moi, j'ai le bro Peter Kravitz avec moi, c'est le frère. Ah, lui, tu sais que je voulais te le débaucher, en plus. Mais il m'a dit non tout de suite. Mais t'es sérieux? Ouais, parce qu'il est très bon. Ah, gros. Mais gros, t'es au courant que ta place au L Barça, gros, c'est fini, hein. En plus, t'as vu, j'ai opté pour la transparence.
Oui. Non, pour la transparence, une fois que t'as vu qu'il voulait pas venir. Un peu tard, un peu tard, la transparence. C'est pas tu m'as demandé est-ce que je peux avoir ton adjoint, quelque chose. Non, 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 non. Ça date de avant qu'on soit. Avant qu'on soit rivaux, genre. J'aurais donné un conseil avec. Ah, bah, pour ceux qui me disent de déborder côté droit, c'est déjà ce que je lui ai donné à Chiesa. Y a pas de souci, t'inquiète. Il regarde le chat, Zach. Ouais, je regarde le chat. On peut faire next, comme ça on passe à la mettre des trucs dans le domaine additionnel ou pas? Domaine additionnel, ouais, mais après, tu leur augmentes leur charge et ils sont moins efficaces dans leurs trucs principaux. Ouais, après, si tu vois que le premier domaine, bah, genre, il le maîtrise, bah ouais, mais un domaine additionnel. C'est aléatoire, hein, je trouve. Parfois, les mecs, de temps en temps, ils sont pas contents. Genre, d'un coup, le mec s'entraîne plus bien parce que, tu sais, pour un truc, genre un ailier, tu lui dis de déborder sur la droite. Le mec, il est en mode, non, je veux pas faire ça, gros. Ouais, genre, Kamel, Mbappé, mais lui, la technique. Pourquoi? Bon, les gars, pronos pour le match contre le Real là. En même temps, Liverpool, ils connaissent depuis 10 piges. On est tous dans la même partie, ouais. Si jamais vous venez d'arriver, c'est nul ce chat, il n'y a jamais de sub. Je trouve que vous n'êtes pas beaucoup à sub en ce moment. Excuse-moi, c'est bon. City, c'est Kamel. Liverpool, c'est Zach. United, c'est Yanis. Tottenham, c'est Malco. Et je suis Arsenal. Kamel. Tout le monde est témoin ici. Mbappé, je ne veux pas trop le faire passer pour le pouce ballon. C'est un truc de fou. Mbappé, c'est pas quelque chose que je peux me permettre, donc avec mes finances modestes. Finances modestes, mais lui là. Allez, next, s'il vous plaît. Non, ah, mais genre, tu sais, je voulais mettre Sané, je voulais mettre finition, tu vois, parce que des fois, il rate. Bien joué, ça, McCornick. Je suis excellent en pointe, c'est pas mieux de le mettre en attaquant de soutien. Pourquoi ça serait mieux, tu penses? Si c'est mieux en attaquant de soutien, je veux bien essayer. Qui ça? Pour ça, là, en pointe, je l'ai mis en attaquant avancé, mais je me demande si en soutien, c'est pas mieux. Mais bon, pour l'instant, ça marche bien, et Bobby Firmino au cœur du jeu. Merci, mon canon. Oh là, 13 mails. Attends, comment ça n'est? Je vais tous virer. Il a combien? Le roi, financier, tout stocké à la porte. C'est bon, c'est fini, les amis. Ah, est-ce que virer aux îles ah, est... Oh là là, Dybala. Bienvenue à toi, Féwa. Merci beaucoup pour le Twitch Prime. Merci, Creativer, pour le 6e mois. Kramel, entraîneur du mois. 2e PA, 3e mois. Dybala. Eh ben. Ouh. Bravo, les gars, pour le podium. Et les 3, on a 100% de victoire et 300 points d'entraîneur. Il fait pas bon vivre de s'appeler Yanis et de Kabil en Angleterre. Attends, il y a Kabel et Zakaria, gros, donc... C'est vraiment sûr pour les RT, s'il vous plaît. Et Domingo, c'est pas comme s'il s'appelait Charles... Bon, après, Pierre-Alexis, ça va, quoi, ils sortent, ils sont en mode, ça vient d'où? C'est quoi ce truc? L'équipe de la semaine, elle est rouge. Liverpool, Arsenal, Manchester United. Rashford est le meilleur espoir du mois. Attends, ça fait beaucoup, là, quand même, avec Mbappé dans la ligue. 6, 7, 3, 7 joueurs d'Arsenal. Sané est meilleur joueur du mois, je crois. Non, ouais, encore. Militao, oui, monsieur. Putain, dès qu'il y a des bonhommes, je vais les féliciter. Des fois, ils ne sont pas contents. Ça, Gabbiadini, il a chopé des trucs. Hein. Petit but du mois contre Tottenham. Ouais. Après, Gabbiadini. Solide. Ouais, vous avez vu le golasso aussi. Okay. Ouais. En plus, j'ai besoin de doublure, là. Et moi j'ai déjà réglé mes centres, pour ceux qui me disent. C'est pas des centres, c'est des centres surtout à rater. Comment t'as mis la tête des joueurs, c'est avec les packs. Ah, mais c'est chiant pour Torreira, là. Malco. Lucas Torreira. Après, les étoiles, ça veut pas dire grand-chose. Hein. Ça, c'est juste le rapport de l'entraîneur. Espoir du mois, sachant que dans la Ligue, il y a, entre autres... C'est Mbappé. Il est meilleur en équilibre, même. Frérot, il est meilleur que le Yak de Bondy. C'est chiant, parce qu'il s'est entraîné à des trucs que moi, ça m'intéresse pas, en fait. Bah oui, Rashford meilleur que Mbappé, qu'est-ce qu'il faut pas entendre, hein. Oui, non, mais j'ai entendu que des bonhommes dire ça, gros. Faut le reperdre à la télé. Il est dans combien de jours le prochain match? Bah là, je crois, hein, le 2. Match difficile pour Galatasaray. Tu m'étonnes. Ah, on a plus par mois, c'est chiant. C'est la première fois, c'est jaune. En tout cas, on a fait très solide, sécurité de l'emploi. Première fois. On va jouer la Real. Pas abusé sur les objectifs. C'est normal, c'est très solide. Le mois de novembre va être dur. Novembre, décembre. Non, moi, je suis dans le rouge. Réussite majeure, nous sommes satisfaits du nombre de jeunes joueurs que vous avez incorporés à l'équipe première. Sous réussite majeure. Ça va toi, ouais. PA, au niveau de sécurité de l'emploi et tout? Attends, confiance, sont très heureux de votre travail, 62%, l'atmosphère c'est 100%, 98%, pardon. Sinon c'est 50%, les finances ils sont contents aussi, 64%. Juste ils ont un peu le seum que j'ai perdu un match, mais sinon ça va quoi. Ouais, pareil. Merci ouais, Mister pour les 400 bits. Pour la causerie contre Stoke il y a 3 ans et demi. Non, c'est bon. Juste, ils ont le seum que j'ai vendu à Guero. On s'entend.
T'avais dit quoi déjà dans la causerie qu'on stocke pour qu'ils soient comme ça? Ils avaient gagné 2-1, un match horrible. Je leur ai dit, ouais, vous avez bien joué, mais on peut mieux faire. Ils avaient tous le seum. Parce que pour eux, notamment tu vois. Gabriel Jesus qui a pleuré pendant 6 mois. Hein. Voilà, gars. Tu vois, c'est genre de victoire difficile qu'ils vont aller chercher dans la boue un lundi soir tout froid. Faut pas leur dire. Ça, c'est pas pour les Pélénistes. Ça, c'est pour les Gunman. Ça, c'est pour les Gunman. Donc, du coup, les Gunman de ton équipe, comme Gabriel Jesus notamment, ils étaient pas contents que tu te mettes sur leur côte. Van Dijk, tu lui dis ça, tu vois, il est un guerrier, il motive ses troupes. Bah oui, Jesus, tu lui dis ça, il va se tailler des veines. Oh là là, je viens de signer un nouveau contrat de partenariat. Ah, la même. Putain, bravo à vous. Moi, il n'y a personne. Hein. Ah, 500K, quoi. Moi, le marketing, chez moi, c'est une honte. Hein. Moi, je suis sponsorisé par Cegid. On a signé le sponsorariat For Win 2. le sponsor For Win 2, gros, ça pue sa mère. Hein. On est avec Big Tracer, là. Moi, je suis avec SFCO. Hein, c'est... Putain, Shaqiri veut quitter le club. Shaqiri veut quitter le club. Bah oui, c'est bien que chez toi, ça pue la merde. Mais tu le fais jouer? Bah ouais, c'est pour ça, mais là, j'ai été lui parler, là, il m'a dit ouais, j'étais en manque de confiance, c'est positif que... C'est pour ça qu'il veut quitter le club, c'est bien parce qu'il joue, gros. Il a capté, il peut plus rien faire. Désolé, attends, je peux même pas le parler. Attends, je viens dans ton club. Il est toujours jamais content, ce fils de pute de Jesus. Il est content que le transfert ait été bloqué, c'était en 2008. Vraiment, quand même, ça fait 6 mois qu'il t'en veut d'avoir refusé une offre à 0€. Hein. Toi, tu sais pas, père. Un jour, il m'a envoyé des offres à 0€ pour mes deux latéraux. J'ai envoyé des offres à 0€ pour la moitié de son effectif. J'ai enculé son vestiaire. C'est pour ça que j'ai vendu la porte. Hein. C'est pour ça qu'il a vendu la porte. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit, putain, quel enfer. Et c'est pour ça que Gabriel Jesus il boude encore. Et c'est pour ça que j'ai vendu Sanchez aussi. Parce que Kamel, il m'a saboté. On va faire jouer Tonali. Sanchez et Martial, tu te rends compte ou pas? On peut next pour passer au match. Ouais, je suis chaud. On a Kramel. I am chaud. Putain, le Real à l'extérieur, quoi. Putain, si je perds là, ça va être chaud pour la qualification. Ah, c'est là que tu vas gagner. Marc Putain, mais dire que t'as perdu contre Francfort, t'es honteux. Mais gros, ils sont trop forts, Francfort, dans le jeu. Ouais, bon. T'es une honte. T'as quand même une équipe de crack. J'étais trop mal en point, frère. C'était Jovic Masterclass ou pas? Ouais, frérot. Oh, Jovic, j'ai pas. Quoique non. C'est Rebic, Santé Rebic, il m'a fait mal. Putain, lui. Joao Félix, il a. Oh, lui d'ailleurs, pro, quelqu'un s'est jeté dessus après la Coupe du Monde. Qui ça? Santé Rebic. Ouais. Je pensais qu'il y a tout le monde qui allait jeter dessus après la Coupe du Monde. Mais bah, apparemment, il y a le Bayern, hein. Il y a le Bayern dessus. Ouais, bon, le Bayern. Ils ont concurrence pour Pavard. Non, en vrai. Il y a le Barça, frérot. Ça, tout bonnement invérifiable. Frérot, Di Marzio le boss l'a annoncé. Ah ouais? Di Marzio il dit que la vérité en plus. Hein. Di Marzio c'est ça Elite Opinion sur Elite Opinion. C'est le boss. Chaque fois qu'il dit un transfert, il arrive genre. Frérot, il a déjà prédit la date de ma mort. Il dit ouais, tu vas mourir demain, je vais mourir demain. Mais Di Marzio il est connu comme, selon quelques madrilènes, il est connu comme étant un journaliste pas fiable parce qu'il a annoncé un transfert de Benzema qui s'est pas fait. Non mais de toute façon gros, c'est impossible d'avoir 100% de réussite, donc même non, si non, le bonhomme t'es pas sûr non, mais... Il a dit. Non mais surtout imagine non. Que le bonhomme te sort 9 bonnes infos sur 10. Ah c'est ça pas moi qui faut le dire, ça c'est un mais en plus Di Marzio il avait juste dit que genre le Milan il s'était renseigné sur ouais. Benzema, genre il y avait des contacts entre son agent et le Milan. Moi je suis d'accord pour dire que Di Marzio c'est elle craque. Allez, on va faire. Mais bon, ça vaut pas un tonne crédit palmérique quand même. Ouais, je prends du carton jaune, les potes. Ah, attendez, qu'est-ce qu'on va envoyer? Bien aimé la petite compo, là. On va y aller en équilibré. J'ai pas envie de jouer non plus en prudent, tu vois. J'ai envie qu'on joue quand même notre jeu. Vous avez vu Rabiot qui a écrit à l'AFP pour jouer? Putain, j'ai même pas vu. Fait une offre pour 0€ pour Dybala. Je pense que ça va pas être accepté. Qu'est-ce qu'on a? Nelson, on a qui sur le banc qui pourrait jouer? Ah, lui, il va me casser les couilles au bout d'un moment aussi. Le truc, c'est que Sturridge, je préfère limite le jeune, quoi. Mbolo est un bon backup. Que du FM ce soir? Non, jusqu'à 19h, ensuite de 19 à 20, on écoute les musiques que vous nous avez envoyées avec Théo, et on fait notre playlist, là, sur ce que j'avais dit sur les gens.
qui ont fait des musiques pour nous. Enfin, qui ont fait des musiques tout court et qui les ont partagées. Avart, bienvenue à toi. Et ensuite, de 20 à 22, 23, on est avec B-Boy, Alfouille et Gigi. On va faire du The Escapist. Et ensuite, du le jeu des dessins. Bernardo Silva, il est blessé, je suis dans la merde. En plus, c'est un anglais, Taïmon, non? Ouais, mais j'ai pas pu l'enregistrer, vu que... Non, mais même à domicile, il joue avec 5 défenseurs. Ouais, c'est l'équipe du Maghreb, là. Fegouli, Belanda... Ah, ils ont une compo chelou, hein. Domingo, tu vas gagner, hein. Le Real, ils ont surcoté sur le jeu. On va voir, on va voir. Je me porte pas la poisse. Ça à tous, les gars. Oh, ouais. Varane, Ramos, merci Nacho, Modric, Casemiro. Ouais, Modric qui doit jouer meneur de jeu en retrait, c'est chelou. Casemiro box to box peut-être. Isco, Asensio, Agüero. Oh, ils ont Mertens, wesh. J'ai peur d'Agüero. Pas CSGO ce soir, déçu. Je peux demander à Yanis qui a ruiné ma saison. Wouah! Déjà? Oui! Première minute, Federico Chiesa, coup franc lucarne, gros. T'as un coup contre la Paul Nicosie, quoi. Personne s'y attendait. Non, non, mais c'est même pas la question de contre la Paul Nicosie, c'est que le coup franc est vraiment magnifique. Ah! C'est vrai, le coup franc. Allez, c'est parti à l'extérieur contre le Real. Oh, l'arrêt. Non, Mbappé! Bon courage, PA. Ouf. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Le stade de Galatasaray, je sais qu'il y a une ambiance de ouf là-bas. Oh, mais deux fois le poteau, wesh! Non, mais aïe. Oh! Aïe, aïe, aïe! Ah, oui, doucement, hein. Taille! Qu'est-ce qu'il y a, PA? Oh, c'est incroyable! T'as marqué? Oh, c'est... non, mais c'est pas, j'ai marqué! Si tu veux, il y a 80 000 personnes qui se sont levées en même temps, quoi! C'est genre une passe, une lucarne, première intention, entrée de la surface, gros, tu vois ça que dans les best-of YouTube! Fin de saison pour Manchester City, merci Yanis de m'avoir une ma Ligue des Champions. Casse-toi, toi! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je perds contre Galatasaray, but de Belanda. Oh, par contre, on joue au calme. Mérité. Ok. Oh, mais c'est un scandale! Voilà, voilà, on part. Putain, mais je gagne que 1-0, moi, il rate tout. Peut-être chaud derrière, ça va vite. Ah ouais. Oui, oh ouais. Non. T'as payé combien pour ces Makers? 20 millions à peu près. Putain, l'erreur. Allez les gars, allez, encouragez. C'est l'erreur, c'est le souci, c'est qu'on joue haut. Hein. Peut-être on joue un petit peu trop haut. On joue peut-être un petit peu trop haut pour jouer à l'extérieur contre le Real. Tu vois, c'est dommage là que Bellerin n'arrive pas à faire un truc. Il veut faire la passe, passe pas assez appuyé. On joue peut-être un cran trop haut. J'ai peur qu'on joue un cran trop haut. On va jouer comme ça. J'aurais dû baisser l'attaque aussi. Allez. La clim à l'extérieur, attends, parce que là ça commence à être tendu. Maintenant c'est le Real qui a les offensives. Modric pour Marcelo, Marcelo pour Casemiro. C'est bien Mesut, Mesut qui fait l'effort. Obama, Obama avec la vitesse qu'on lui connaît. Pierre-Emerick qui provoque. Pierre-Emerick qui provoque peut-être un peu trop. Oh. Oh, j'ai acheté les arbitres. Tu gagnes 1-0 là, toujours peur. Non, 2-1 pour moi là. Ah mec, je t'assure que tu m'aurais insulté, Zach. Genre Varane qui contrôle mal devant son goal et tu sais mais genre à 2 mètres du but et on la pousse. Ouais. Encore une fois. Oh carte de partout. Les puissances financières. De partout mec, c'est un match, 10ème minute, il y a de partout. C'est lourd ça. Ah c'est chaud. Oh, je fais encore un troisième. Ah, je vais me faire fumer là, je pense. Mycon 7,1, ouais, il est mis, wesh. J'ai même pas de changement, wesh. Je peux même pas faire de changement. T'as combien, Kamel, dans ton match là? Je perds 1-0, wesh. Ah, merde, j'ai fait de la merde. Domingo Venn sur le chat, s'il vous plaît. Domingo Venn, il y a une défaite de Kamel. Et t'es à l'extérieur ou à domicile? À l'extérieur, à l'extérieur. Je vais mettre Mbappé à droite et je vais. Putain, Valence, ils ont acheté Sergi Darder. Sérieux? Ouais. Trop fort, Sergi Darder. Mais ils l'ont acheté dans le jeu ou IRL? Ouais, dans le jeu. Parce que Genesio, tout joueur qui a du football dans les pieds, il aime pas. Oh là là, j'ai pris un but d'Olivier Giroud. Comment ça, il est au bilan AC? On est dominé là, hein. Depuis qu'on a baissé le bloc, le souci c'est aussi qu'on crée peu de jeu, quoi. Regardez Dolberg. Attends. Oh, il a fait! Mais j'ai. Attends. Alan, engagez-vous moins, ça devait être mis. J'ai besoin de lui, sans lui c'est chaud. Allez les gars là, qu'on crée du. Il a fait un coup. Le son de quoi je dois baisser les potes? Oh la sauce! Mon micro, de leur micro. Non mais là ça va pas. Putain. C'est l'Europa League pour moi. Wouah! Très offensive, hein. Je vais prendre 2-0. Non, on met trop de temps à remonter. Je vais jouer un peu plus haut. Oh non, Dermil Tao.
Et gros, putain fait... Dolberg, il a fait un... Fils de merde il... il a fait un centre coup du foulard, non. Oh là là là. Allez, 2-0. Oh, l'OL a gagné contre l'Atlético Madrid dans mon groupe. Putain, il est blessé, l'autre. Mais grave, Zaka, il arrive pour toi, Genesio, là. Ah ouais, oh, c'est vrai. Rouge. Ouais, il est très offensif, je suis sûr. Oh là là, le coup ouais. du foulard. Ça va être chaud, ça va être chaud, là. Je suis blessé, en plus, je vais me suicider. Ton Agüero qui marque des buts, là, Kamel. Ah bah, désolé. Non, mais non, mais non. J'ai... Mec, il y a eu 6 buts en 30 minutes, gros. Mon joueur, il a voulu dribbler mon goal, il a voulu dribbler il y a Asensio. 4-2, il y a 3-3. 4-2, là. Nice. Putain. C'est quoi ce festival? Cramel dans la sauce. Bah, ça, je sais rien. La Ligue des Champions. Oui! C'est incroyable le match. 4-3 c'est... Il y a 4-3 gros, c'est la 39ème. C'est genre... C'est un truc de C'est rare ce genre de match chelou sur la fin en plus. Roland Garros. Oh il est beau. Non mais je regarde l'équipe de... Bon. Galatasaray. On va faire un petit changement, on va mettre Eder Militao à droite. Ouais, j'ai mis très offensif, ouais, et Hector, on va mettre Robolding. Pas un gros match de Martins non plus, on va peut-être mettre Nelson et Obam qui est un peu en galère. Allez, allez les gars. C'est les poules là pour l'instant. On a gagné notre premier match, le Real avait fait match nul, on est à l'extérieur, j'aimerais bien un petit, petit match nul. Tu es dans la sauce. Ça a rien à voir, j'ai perdu 3 matchs la saison dernière en Ligue des Champions. Tu fais des changements à la 42ème. Ouais, bah j'ai Bellerin qui est pas du tout dans son match, plutôt de le faire continuer à prendre la sauce à 5,8. Je t'ai mis 5-1. Et dans un match où il joue pas. Attendez, je vais mettre le chat. T'inquiète, il est trop fort, c'est n'importe quoi. Comme ça, on va pouvoir vous voir. Et j'ai fait 0-0 contre Valence. C'est pas grave, hein. Frère, j'ai tellement de blessés. Ça... Mais en plus, à cause de Yannis, ça me dégoûte, sérieux, frère. Allez. La moitié de mon effectif, je peux pas aller faire jouer, ouais. Absolument qu'un rapport, vraiment. Ta grand-mère. Regardez, Bruno, j'ai dit une masterclass. C'est vraiment pas ma faute, genre. Vraiment pas. Putain. Zach, j'ai redit mal à l'OL, ouais, j'espère, moi. J'ai la moitié de l'effectif qui est pas enregistré, je peux rien faire, ouais. J'ai perdu contre le Milan. Dommage de défaite. Oh, l'Europa League, c'est terminé pour toi. Non, quoi? Il a perdu contre le Milan, là, tant mieux, comme ça, il va pas nous casser les couilles à jouer des matchs des. C'est vrai que le jeudi, c'est pas... C'est bien, c'est... Va te faire foutre. Ah non, mais gros, là, il joue en même temps que nous, regardez. J'ai un souci dans le milieu défensivement. Ah oui, c'est vrai que tu dois encore jouer les champions du Congo. Kazakhstan, s'il te plaît. C'est la mi-temps, la paire? Attends, mais du coup... Ah, c'est toi parce que ça a bugué là. Oh, c'était la mi-temps, mais du coup, je peux plus relancer. Attends, ah, c'est bon. Oh, non, je fais ça. Moi, j'étais là en scred. Je me suis dit, merde, qu'est-ce qui se passe? Ah, ouais, PA, il se prend un doublé d'Agüero. Tu vois ton buteur, Kamel. Père, moi, je joue pour le futur. Allez. Oh. Oh. Dommage. Oh, le rafou. Mais t'y es allé en équilibré ou quoi? En équilibré là, j'ai un peu baissé le bloc, mais c'est chaud, on a pris des sales contre-attaques et... Tous mes défenseurs ont des notes de merde et... Ah, Goro, il finit ballon d'or, hein, du coup. Ouais, mais pas chez toi. Oh, mais franchement, je suis en mode ballon d'or, il est au club. Non, je voulais juste casser les couilles, hein, désolé. Mais t'inquiète, toi, tu vas voir. Ligue des Champions, je te réserve la petite compo. Gros, vraiment, si tu viens jouer avec moi, je vais te casser les jambes, gros. Je pense pas, hein. Si, j'ai prévu vraiment intensité maximale full catcher, gros. Eh, hey, PA, regarde, y'a qui en dessous du nom de Keylor Navas? Putain, il a réussi à tous les refourguer, quoi. C'est incroyable. Ils sont venus le prendre 30 millions. Putain, ça fout le bug, là. Ah, c'est bon, ça rejoint. Ah, c'est moi qui joinais, désolé. Non, t'inquiète pas. Il y a 4-3 à la 60ème, je croyais que t'es fini, moi, ton match. Ah ouais, non, mais c'est 4-3 un... à la 30ème, hein. Ah, ça sent pas bon, là. C'est la crise. Oui, Eder. Non, en haut. Oh oui, pas de faute de main, Leno. Ouh. Allez, messieurs. Oh non. Penalty. Péno. Oh non, la VAR. Penalty, ouais, penalty. Péno, putain. Oh non, Agüero. Je vais le fumer, Agüero aussi, là, 70 ans. Eh ouais, quelle vente incroyable de ma part. Quelle vente hyper stupide de ta part. T'es un ouf, frère, regarde. Je vais perdre mes concurrents. Triplé d'Agüero. Tu sais qu'il faisait que ça, hein. En PL, il puait sa mère. En Italie, en Ligue des Champions, pas de doublé, triplé. C'est jouer les jeunes. En PL, non, avec. Jouer l'esprit libéré. Avec Harry Kane.
Le Harry Kane qui se fait pocket par la défense de Francfort et du Milan. Il pue sa mère, l'Harry Kane. Je vais le ramener que lui dans le vestiaire. Je peux pas communiquer avec lui. Quelqu'un a join là? Ouais, ça bug. Ça bug là, c'est en pause là. Parce que j'ai fait un changement et je peux plus le refaire jouer. Attends, mais je vais le comparer à Inzaghi. Bisous de Demis. Tu es dans le match, Yannis, ou pas? Quoi? Non, je suis pas dedans. Ah, c'est bon là. C'est bon. Bon là, on y croit plus trop hein, le triplé. Enfin là, non, il faut un doublé. Ah, mais ça a rebugué. Pourtant, j'ai pas vraiment le genre. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Attends qu'il te valide, c'est bon? C'est bon. Ah, c'est bon, ça marche. C'est quand tu joins, ça bug. Mais des fois, ça bug, faut juste quitter. Là, c'est toi qui joins, Zach, c'est ça? Ah, ouais, c'est bon. Ah ouais. Et là, je suis là. Non, mais du coup, ça a pas fait Oh putain, ça a pas fait mes changements, du coup. Ah si, juste. What? Si, moi, je vois trois changements. Ok, là, c'est bon, c'est bon. Ah, ok, bon, ça a bugué, du coup. Ça non, c'est bon, là, ça marche là. Moi je vois Hazard et Martins encore. Oh, et Moscou qui est en train de perdre contre Schalke. Il change Isco à Asensio tout le temps. Putain, mais il a mis décrochage. Il y a vraiment Bruno qui a battu l'Atletico là. L'OL ils sont à 6 points dans ma poule, c'est les premiers. Comme Galatasaray. Ils ont 6 points, ils sont premiers. Mais... Moi j'en ai 4 parce que j'ai fait nul contre Atletico, j'ai gagné contre quelqu'un de jeune en fait. La Poel et joue l'OL après là. Et depuis que vous avez John, il n'y a plus une action. Barrez-vous de mes games. J'ai pris que des buts. T'as eu une blessure aussi, Rafael Guerrero. Ouais, allez. Blessé? Oui, dans la sauce. Mais je le vois même pas, putain! Dans la sauce! Tout est bugué, y'a rien qui marche là! C'est qui a cette game? Marqué, hein. Moi j'ai quitté, moi. C'est Zach, hein. Non, moi, je vois même pas, j'ai même pas d'un. Non, mais il a dit qu'il a cette game. Je dis Zach avant que ça mette tout sur d'autres de quelqu'un d'autre. Ensuite, ça va partir. En plus, Hazard il a marqué là, 5-4. Vous le trollez ou pas? Non, je te jure, Hazard a marqué il y a 4 secondes. Non, mais vas-y, bah dites-moi, parlez-moi du match, hein, mais. Non, mais tranquille, on join plus. On join plus, désolé. Mais non, mais moi je suis à la 92ème, il y a coup franc pour eux. Ah, mais c'est comme la finale de la Ligue des Champions. La finale de LDC, il y a eu un but fantôme, Kamel il l'a pas vu, mais il y a eu. Je l'ai pas vu. Ah, là, il y a 5-4 du coup pour Ouais, il y a 5-4. Mais moi, le truc de fin, je vois 5-3. Non, mais c'est volé. Non, je te jure que non, gros. J'ai eu la même chose en Ligue des Champions en finale. Ah, t'es un peu l'enfer, quoi. T'as pas dû kiffer, quoi. Surtout un but de Mahrez, hein, je voulais trop crier, genre. Mais bon, dommage. Qui ne joue pas la LDC cette saison en plus. Tiens, regarde sur Discord, je t'ai mis un screen. Ah ouais, 5-4, on a marqué à la 91ème. Bon. Vas-y, go next. Hein. Soyons contents. Et t'as gagné du coup? Non. Non. Bah ça va, au Golaverage. Au Golaverage particulier, ça se joue contre le. Ça fait bug le match quand les gens n'arrêtent pas d'en faire. On est de retour. Oh, il y avait 5-4. Ouais, il y a du positif. Attends, je joue Yannis ce week-end là. Bon, je pense que là, les latéraux ont pas du tout bien joué. Je pense que contre les grosses équipes, c'est une erreur de mettre latéraux offensifs. Parce que. Ouais, c'était un peu chiant, ça m'a niqué mon match, là, la simulation. Bon, c'est pas grave. Mais je pense que du coup, les latéraux, les deux ont très mal joué. La défense a pas très bien joué non plus. Je sais. Ah ouais, Hazard a marqué. Hein. Putain, ouais, mais c'est différent du coup. Après, bon, c'est pas si mal. Hein. Ah, Guerrero blessé. Ah ouais, c'est relou. Blessé suite à un sprint, mais arrête de courir, arrête au bout d'un tu moment. Tu vas monter 5 feet si tu arrives à 5-3. Bah oui, wesh. Ah ouais. T'as dit ça, je savais c'était qui. PA, il va sauter au prochain mercato. 0. Eh, perdre 5-4 contre le Real à l'extérieur, c'est très ok. Hein. On a gagné contre Schalke. Le truc, c'est que le groupe A, pour l'instant, de la Ligue des Champions, va falloir faire gaffe au Spartak, qui a fait match nul contre le Real. Va falloir péter le Spartak, par contre. Parce qu'ils ont réussi à baiser Schalke. Je pense que je baisserai les latéraux contre les grosses équipes parce que ça les rend difficiles et comme il n'y a que deux défenseurs, ça fait galérer mes défenseurs centraux. Kai but de Gignac. Ouais. Gignac, Giroud, mais on est à l'Euro 2016 ou quoi? Tu viens de me donner une idée pour mon backup là. Qui? André Pierre. Frère, Zlatan, il pue sa mère. Ouais, bah quand tu vas vouloir le lâcher, il va te lâcher un high kick, retourner, sauter, gros. Il te prend beaucoup ou pas? Non. Attends, je suis plus génial que ce soit mieux, quoi. 400k, je crois. Mais gros, toi, des idées même, backup en neuf, c'est quoi ces idées? J'ai envie t'as pas investi sur Moiskin, wesh. Moi, j'y vais cet hiver, hein, sur Moiskin. J'y vais avant toi. Le problème vient aussi d'espace dans le milieu. Ouais, mais le truc, tu vois, c'est que je joue, plutôt serré en vrai. Je recrute Neymar. Je joue plutôt serré, plutôt axial. Allez. Hein. En défense aussi.
Je me trouve pas si mal. En vrai, je me trouve pas si mal, mais c'est dur contre Zach, les grosses chance, équipes. Quoi. Ce contre les grosses équipes, tu peux pas me permettre d'arriver et juste m'être équilibré et de jouer dans leur... comme si j'allais jouer dans leur mi-temps. J'ai fait péter quelques nouveaux contrats. Mais Galatasaray. Je suis allé avec la ligne super haute, jouer le hors-jeu. Non, mais c'est trop chiant ce pull, il agrippe toutes les petites merdes. Moi, pendant le match, je parle pas, Zach. Je comprends. Oh, par contre, mes jeunes, regarde mes jeunes. Mais pourquoi tu fais la tapette? C'est pas que je fais la tapette, je vais me concentrer. Oh, je vais me mettre à genoux devant mon écran, assis sur ma glacière, et je vais analyser. Putain, à cause de moi, mes joueurs, ils sont même plus sélectionnés en équipe d'Angleterre. Moi, il n'y a que Mbabou qui n'a pas été sélectionné, j'ai 33 joueurs. Un 6 et 2-8, ouais, ça pourrait aider. Anthony Elanga. Ça pourrait aider. Oh là là, mais c'est à cause des sélections. Anthony Do, là, je sais pas quoi. Anthony Elanga, c'est qui ça? Ça, c'est un mec moi, équipe de U23, U18, pardon. Manque d'un vrai offensif centre. En fait, le truc, j'arrive jamais à les trouver avec un 10. Je, plus, ma tactique avec un 10, plus, en fait, c'est que contre les petites fort. Équipes, ça se passe quand même bien. Mais vraiment, toi Yanis, Malco, pardon, pour tes backups, tu penses qu'à des vieux joueurs tout éclatés. T'aurais rincés, un potentiel anciens, de ouf. Bon, ça me fait pas non plus incroyable, mais pas mal. Ouais. Tu rentrerais parfaitement. En plus, on est en train de chercher ce profil-là. Comme ça. Typique. Je vais prendre des Boateng. Mais faut que j'ai genre, un retraité. Ozil, il a les capacités pour jouer go prochain match. Le scout, hein, bah, calme-toi, c'est aussi... Oh là là, Ozil. Qui okay. C'est aussi ça, les potes, hein, FM1. C'est aussi le moment de tempo. C'est pas que du match, c'est pas FIFA, quoi, pour que vous compreniez, quand même. Ça va être exceptionnel, le match Zach-Yanis, quand même. Ah, le faire jouer en 8 avancé, j'ai peur qu'il ait du mal à remonter la balle. T'inquiète pas, c'est parce que j'ai parlé. Je viens de me rappeler de ça, putain. J'espère que ça va pas être le cas, là. Je sais qu'il serait plus à l'aise comme Elie. Putain, mais c'est Gomez, il vaut cher, ouais. C'est la première fois que je vais tenter cette compo dans un gros match, les gars. Oh, Yanis. Ouais, Maxi Gomez, très très cher. En plus, alors, il donne quoi, Chiesa? Chiesa, pour l'instant, il a du mal à être. Satisfaction, hein, c'est... À être vraiment offensif. Le PSG, il demande 124 millions pour Maxi Gomez. Je vais FM jusqu'à 19h, les potes. Il est au PSG? Ouais. Mais non. La vie? Sinon, je mets Ramsey. Oh, les bâtards. Cette saison, pour l'instant, il est à 2 buts, 3 passes D. Rien à dire. Comme ça, deuxième en Ligue 1 Conforama. Go next. Malco prend Carlos Vela. C'est qu'il est manché. Ah mais ouais, mais Monaco ils sont en 8-0 en Ligue 1 là dans la... Non, je pense que je vais aller chercher Lincoln. T'as fait combien Kamel toi contre Galatasaray? Ouais, j'ai perdu 2-0 frère. Après la saison dernière, c'était pareil en Ligue des Champions, 3 défaites en phase de poule. Ah, Firmino en 10, ouais, Firmino en 10 ça arrive de temps en temps. T'avais pas fait 3 défaites en phase de poule, t'es un... J'ai fait 2 défaites, un nul alors. Je sais que j'ai... Attends, t'as fait quoi là Kamel? 2-0 contre Galatasaray. Non, mais les autres matchs. De défaite. Non, j'ai gagné un match, j'ai perdu un match. Oh, le pote. Ah, voilà, bah pourquoi tu pleures, frérot? Je pleure pas, c'est Zach qui me dit t'es dans la sauce. Et moi, je lui dis non, j'ai rien, je joue normal. Je continue à te dire que t'es dans la sauce, qu'est-ce qu'il y a? Mais moi, j'ai gagné la Ligue des Champions, on me parle pas, frère. J'ai gagné la ça première. Ici. Vous connaissez pas les vraies crises. Le championnat le plus dur du monde. Vous connaissez pas les vraies crises ici. C'est vrai qu'on connaît pas les... On espère pas trop les connaître d'ailleurs. Hein, si jamais. Ouais, c'est pas un kiff. C'est pas le but. Ah, mais l'autre, il va pouvoir jouer, il va être content. Putain, vraiment, s'il y a Jardim à l'OL, je me branle. Je me masturbe. Vraiment, gros. Je me fume le zob, gros. Fume-toi le zob, putain. C'est tout ce qu'on a envie. C'est vraiment tout ce qu'on a envie, nous, quoi. Et Balotelli, il est à Lyon. Quelle erreur. Il va aller l'acheter, je crois. Hey, tu sais, Zach, je suis vraiment pas serein pour le match contre toi. Là. Mais Balotelli à Lyon, mais oh là là, c'est honteux. Hein. Vas-y, go next. Et toi, envoie-moi tes meilleurs joueurs. Hein. Après, je suis chez toi. Hein. Ola, s'il demande 115 millions pour Balotelli. 115 millions. Non, mais déjà. Mais toi, Ibra Balotelli, tu veux pas prendre, genre, en backup 9 un gars un mec qui a normal. 19, 20 ans, qui est bon et qui a pas causé des problèmes partout où il est passé. Et va sur Moiskin. Bon, après, là, j'y vais. Ouais, je vais aller sur Moiskin. Laisse-moi le. Non, c'est Kamel. Bon. J'ai laisse-moi le, ouais. Merci, Telchar. Moi aussi. C'est bien, Terra. N'oublie pas le FPF. Hein. Ça, c'est bien. Mes outils s'entraînent mal. Mes outils s'entraînent mal, quoi. Toi, c'est pas ouf, hein. Les autres, je vais te parler aussi. Qui va aimer mon projet? Hey Zach, j'ai bien fini le match, je pense que tu vas gagner 3-1. J'avoue, va sur Falcao. Toi, tu vas juste continuer à dire que je vais te fumer, juste comme ça. Genre, comme ça, si tu gagnes, tu vas être trop heureux. Genre. Ouais, il faut une doublure à Obama. C'est ça le chien. Erling Haaland.
Là, je joue quoi? Je joue Yanis, après je sais, tu peux pas. Après, je joue Kamel. Après, je joue Kamel. Ah, il est il y a la pause internationale et je joue Kamel. Quoi qu'il a des tu peux prendre qui? Moi, j'ai 33 joueurs qualité. En truc international. Ah, qui ça? Moi, il y a tout mon club qui y va. Même moi, je vais jouer. Hein. Ouais, après, c'est leur ligue chelou, quoi. Je vais aller entraîner l'Algérie. Hein. Il n'y a aucun repos dans mon club. The next? Ouais, ouais. Malco Clé? S'il te plaît. De quoi? Fais next. Non, attendez, 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 attendez. Next there. Un bon backup Mbolo. Vas-y, je vais voir alors. C'est là pour l'instant Dolberg à part. Mais gros, c'est que Dolberg il a fait. Benzema, hein. Ouais, putain, j'étais en train de regarder exactement ça. Genre sur la liste des transferts, il y a Karim là, mais après c'est trop mais chiant toi, quoi. Toi, PA, faut que tu tèches l'antilope du Gabon de ton effectif. Mais jamais. Si. Faut que je tège les gros yeux mes août, mais mais sinon. Obam gros, c'est propre. Il y a 1 million, mais c'est ça. Ouais, 1,6 million, gros. Ah, wow. Ah ouais, non, mais c'est un délire. Lui, il s'est mis vraiment, il est parti du Real, il s'est mis un petit parachute, quoi. 1,6 million par mois. Ah, c'est... De quoi? C'est que c'est quasi autant que Mbappé, là, chez moi. Hein. C'est... De qui? Mesut Ozil. Ozil. Mais Ozil, il coûte 19 millions par an. Mais le pire, c'est que Yanis, jusque-là, il avait Sanchez, gros. Il prenait, je crois, 375K par semaine, un truc comme ça. C'était abusé, gros. Ouais, c'est n'importe quoi, c'est pour ça. Ouais, ah, attends. C'est des trucs déjà faits, quoi. Mais c'est comme Mickey, hein, il me coûte 970 000 par mois et il joue pas tout le t'as temps. Bien fait, t'as bien fait, t'es la racaille chilienne de ton club. Mais moi, celui qui me coûte le plus cher, c'est Van Dijk, il a 1,1 million. Il faut que tes deux milieux soient proches de ta défense, je te conseille de mettre milieu axial. Totalement mérité, Van Dijk. Et Alan de mettre Van Dijk, gros, le 1,1 million, c'est un plaisir, hein, je lui donne. Ouais, mais c'est très bas après, quoi. Dès que je signe l'ordre de virement, c'est ça, hate, frérot. C'est ça le souci, quoi. Je pense que je pourrais pas le vendre aussi, là, parce que personne va le vouloir. Vérité. C'est un peu le souci du truc. Alors, on peut dire ou pas, meilleure signature de 2018, Van Dijk. Ouais, gros, je pense. Hein. Ouais, je pense. Hein. En tout cas, je vois personne. Présentation du match. Hey, Van Dijk, il a 27 ans, je pense qu'il était plus jeune, moi. Bah, 27 ans, c'est l'âge d'or pour un défenseur. Genre, 27 ans. Ouais, mais pas encore, je pense qu'il était plus jeune. 27 à 33-34, c'est là où t'es trop ah bien. Ah ouais, plus. Putain, moi je joue demain. Est-ce qu'on teste ça? Allez. Est-ce qu'on teste ça avec match, un 6 ça va déjà se game comme ça, je pense. J'espère que tu lagues pas, sinon tu te casses direct. Hein. Moi je veux pas encore. Okay. Je vais venir le voir votre match, hein, je vous le dis. Tu vas venir voir notre match joue... Mais tu joues en même temps? Ouais, je peux concentrer le jeu dans l'axe. Dès que je finis, genre. Ok. Allez. Ah, parce qu'on peut micro. Ça, c'est quand je jouais très très haut, mais je jouais un peu moins haut. Bonne chance. Bonne chance, les amis. Il a vraiment coupé son micro. Zach, je suis sur la pince. J'ai trop envie de gagner. Non, jure. Contre qui, PA? Je suis contre Burnley à l'extérieur. J'ai trop envie de gagner. Ok, ça va. J'ai envie de gagner contre la racaille. Mais là, le match, il est trop important pour moi. Mais encore, ça va, c'est le début de saison, tu vois, il n'y a pas trop de pression, c'est pas comme le match. J'ai envie de te défendre. Ouais, mais même, genre, si tu perds un match à domicile, après tu vas jouer contre Liverpool à l'extérieur. C'est vrai. Tu dois vraiment pas le perdre. Dire, match. Il est important et pas déterminant. Il est. Pour toi aussi, je pense. Hein. Sachant que t'as déjà fait un match nul de merde. Moi, j'ai déjà perdu contre Watford. Ah, je tente une nouvelle compo là, c'est. Pfff. Sèche le banc Mbappé. Bah, il est juste blessé en fait. Hein. C'est... Il y a un match juste après ou pas encore? Non, ça va, on a une grosse pause. On va pouvoir. Ouais, mais juste avant la pause. Avant la pause, on va aller pouvoir voir la purge de football que va nous proposer Malco. Ça va, il a jamais 6 buts, Mbappé. Je prépare une petite tactique là, frérot, t'es pas prêt. Pour affronter Leicester. Putain, honteux, tu vas envoyer des deep blocks. Ouais. Wanyama, il a pris 3 matchs de suspension. Everton, Bernard Silva qui revient, compagnie. Bah pour son carton rouge. Je sais pas, j'ai envie de tester cette tactique. Mais j'ai peur que ça se projette pas assez vers l'avant. On le dira jamais assez, hein. On va tester. Putain, j'avais pas vu qu'il était. Merci. C'est vrai que c'est particulier de changer de tactique là. Je reste du coup. Je ça vaut vraiment le coup. Regardez le 11 de Yanis qui respire. Je sais pas, c'est peut-être pas une bonne idée. Comment ça, le joueur, ça me conseille? En vrai, ça va, il y en a 4. Oh, la nouvelle tactique là, c'est une erreur. Allez. Ah, Zach, moi quand je dis je reconstruisais, j'ai pas fait semblant. C'est bien. C'est bien, ils sont tous motivés. Let's go. Wesh. Quoi ça, De Bruyne? Allez les gars, on est parti. Est-ce que ça va proposer cette petite tactique? C'est pas des méga cracks Burnley, ouais. C'est... Allez. Y'a faute là, wesh. Timon. Let's go. Penalty.
Let's go, penalty. Non, non, consulte pas la VAR, il y a penalty, frère. Let's go. Allez, Jesus. Allez, sois bon, Marc, comme ça tu vas être. Pour l'instant, on n'a pas la balle. Hein. Marc, mon pote. Yes. On n'a pas trop la balle. Tu joues, Yanis? Ouais, ouais, bonne chance. C'est parti. C'est cette merde qu'on a fait. Qui joue contre qui? C'est Manchester United Liverpool là? Ouais. Oh là là, Zach contre Yanis. Vas-y, je vais venir voir votre match. Allez. Ça commence? Taïman, pas mal, hein. Taïman. Oh, c'est scripté! C'est scripté! 30ème seconde, le but est fantastique! Vas-y, passe, 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 commence pas là. Non, non, je le vois, je le regarde, okay. Je le regarde. Allez. Incroyable, Taïman. Hop, 2-0. Mais c'est scripté! Première minute, il marque tout le temps à 30 secondes. Non, oh non, la barre! Ah, Zach, lâche ton hack, s'il te plaît. Wow, Bobby! Allez, faut jouer là. Putain, c'est pas ouf là pour l'instant. Match nul, on n'a pas proposé grand chose, une petite barre, voilà, des actions là. J'ai envie de voir un peu comment le ballon tourne quand c'est nous qui avons la. Bon, Martins! En deux temps, bien joué. Allez, ça fait plaisir, on rentre dedans. On rentre dedans, on rentre dedans. Un goal, ouais, c'est vrai que Leno est limité et Sech commence à être vieux quoi. Donc c'est pas facile non plus. Chelsea qui ouvre le score aussi. 1-0 à l'extérieur. Le long ballon comme ça là. Martin, c'est bien ce qu'il va te faire là côté droit. Il a souvent du mal avec les petites passes comme ça, surtout pour Obam. Ça nous a coûté un but contre Madrid. Ah, les gars, les relances des défenseurs là, ils jouent en... Oh là là, ça c'est vraiment une erreur ça. Ya! Penalty, ah, je vais me suicider. Donne penalty. Non. Donne. Il est tout seul. Non, je comprends. Oh, ça a fait contre poteau, contre, il l'a retapé contre son corps. Mais putain. Bien. Allez, Chiesa. Oh! Oh, le retour de Rashford. Calme. 3-0. Putain, je me tape que les buts chelous de FM là. Militao qui accumule les erreurs. Ah, les gars, c'est pas le moment là. C'est pas le moment de décevoir en boucle. Hein. Qu'est-ce qui vous arrive là? Qu'est-ce qui vous arrive? T'as les pires def. Non, mais là. Là j'ai surtout la pire non-chatte quoi. Martins fait encore une fois un bon match, beaucoup d'erreurs là, match décevant les mecs là. Allez vas-y on se bouge le cul là. Allez Ramsey là. Fais la diff, ouais, tu sens me plonger dans tes pensées mec, je vais juste te tèche au bout d'un moment. T'es pas titulaire, je te donne ta chance et quand t'es titulaire tu branles rien. T'as même pas envie. Si t'as pas envie, le montre pas quoi. Ne change pas la compo d'avant. Ouais non mais on va... Je veux faire des tests, après on est contre une plutôt équipe moyenne donc... Allez Ramsey. C'est bien Eden. Oh Eden, j'ai besoin que tu cadres ça, j'ai besoin que tu cadres gros. Allez, demandez-en plus. C'est bien ça. Allez Lucas. Pas mauvais là sur corner, sur coup de pied arrêté. Oui pour Martins. Allez plus vite, du rythme. Oui. Oh putain aussi quoi, City qui met 5-0. Et Lucas Torreira pour Alan, pour Ramsey. Et en bas pour Hazard, ça joue bien là, ça rejoue là. Pff, c'est quoi, y'a que des buts? Y'a que des buts bullshit moi là depuis deux matchs. C'est en ma faveur là mais... Vous avez pas des trucs chelous vous? Moi pour l'instant tout se passe normalement. Moi ça va là, je regagne mais mec j'ai eu un contre mon camp chelou, ça a mis un contre oh, son camp. Oh non, mais il a... Mais frère, c'est abusé sur coup de pied arrêté. Faut dire aussi que t'as eu la chance quand même avant. Clac, là. Frère, ah bah je viens d'avoir un but chelou là, Péa, t'en as parlé, je... Non mais mec, bah désolé, je t'ai pas dit, mais... 6-0, non mais je m'en... Ah c'est pour toi, ça va, t'es bien. Ah, oui. Ouais, même au pire, si c'est contre... Bon, attendez... Allez. Oui. Oh là. La transversale. Jure, Soudani. Ils ont Soudani. Let's go. On va mettre Guendouzi là, ah, à la place t'es d'Alan. T'es pas la transversale, mon frère. Luis Felipe, j'ai peur qu'il nous choque, hein. J'ai peur que... J'ai pas envie de changer tout l'effectif non plus là, mais éditer, qu'est-ce qu'on pourrait positif, rythme un peu plus bas, exprimer ou davantage, on va demander d'être soyez plus discipliné, on veut du propre. Il y a souvent des drôles d'actions, ouais, ça peut être le souci d'être. Allez, ouais. Allez, oui, allez. Après ça a progressé hein, par rapport aux premières années. Mané. C'est bien, on est à 60% de possession. Oh, tu leur as donné quoi l'habitant là? J'ai changé mes consignes. Tu avais du caractère. Ok, d'accord. Pourquoi tu te mutes, Yanis? Parce qu'il a peur. Oui. C'est alors maintenant. Mbappé, Stade Pad contre Nottingham Forest.
Mais vous entendez le toudoum toudoum à chaque fois aussi que je me mute? D'autres stats padding là pour Mbappé. Déjà muté. Je veux qu'il marque 2 ou 3 buts là. C'est trop chiant pour eux aussi parce que je me mute assez souvent pour vous parler. Eh mais vous entendez comme Yanis à chaque fois que je me mute des mutes aussi? Non non non. Ah ok ça va alors. Vous entendez moi? Ouais, ouais. Moi j'entends, okay. Je sais pas pourquoi. Tout le monde sait quand j'ai peur en fait. Ouais, en fait, ouais, c'est genre vraiment ça et on sait quand t'es confiant. Wesh, de light. C'est un peu. On va arrêter du coup. Désolé, je savais pas. Non, t'inquiète, toi, ça fait pas, c'est pas, pas gênant du tout. Kamel. Hein, ouais. Kamel, j'arrive. C'est du beau football, hein. Ouais, frérot, c'est pour ça que je viens. Tu sais très bien, on a un club ami donc. Ah ouais, frère, regarde. 7-0 peut-être. Bro, elle est tchad. Comment il a raté ça, Mbappé, poto, putain. Allez, reprenez le ballon là. T'arrives en plein 6-0 là, en plein massacre. Marqué. Attaqué. C'est un football dégueulasse qui est proposé. Oh, dommage, qui est proposé là. Allez. Il y a Soudani quand même à Nottingham Forest. Ouah, les notes de tes joueurs, elles sont incroyables. Pas de surprise. Ouais, la PL est à moi cette année. Mais c'est sûr, frérot, si tu la gagnes pas, c'est une honte. Non, mais c'est pas football. Faut qu'ils arrêtent de faire ça. Mais je fais quoi de live? Oui, Nelson. Allez, allez. Dommage. Attends, ça a combien de minutes, toi? 86-43. Vous en avez tout, vous, à Liverpool? Il y a 2-2. Ok. Combien de minutes? Combien de minutes, ouais? 70. Vas-y, fais vite, Malco, j'ai envie de voir leur match. Ah, grave, j'arrive dans le vote. Allez, Malco. Malco, quitte, nique ta mère. Ah non, c'est bon. Si je quitte. Non, c'est bon, ça marche. Allez. Ça marche. Let's go! Let's go! Let's go! Mohamed Salah! Alhamdoulilah! Allez. Wesh, il est trop nul, Soudani. Ah, c'est pas mérité. Hazard a du mal, les potes. On va aller voir leur match. Mais bon, déjà, c'est 3 points. C'est le plus important. Ça n'avait pas été un match facile. On a voulu tester avec un 6. Qu'est-ce que ça donne leur match? Ton but, frérot. 7-0. Vous en êtes où là vous? Je gagne 3-2. Putain, je suis dedans là, ça y est. 72ème. Oh là là, est-ce que va y avoir du coaching tactique? Ouais, bon, à Old Trafford. C'est rouge ça. Hein. Et t'as 76 000 visiteurs. Un spectateur. Tu sais que le match, il est vraiment serré de fou. Hein. C'est un vol un peu, hein. Moi le football. Ouais, je m'arrête, est-ce que tu business, fais, c'est une dégoûte, hein. T'as pas honte, Zach? Qu'est-ce que tu racontes? Mettre des millions pour pouvoir gagner. Franchement, ça me dégoûte. Mais ouais, t'as dépensé 300 millions, ça, le fils de pute. Ça me dégoûte. Mais il a dépensé 300 millions, je suis le seul qui a gardé quasiment le même 11. Et c'est du Zach Cash. Moi, la copie dans le football, ça me dégoûte un peu, je vais pas vous mentir. Allez, on ferme, ça reste comme ça. Ça joue avec 3 millions offensifs, ça passera plus. Défense. Siffle. Je suis en train de voir leur match. Vous sifflez, monsieur l'arbitre. Oui! Victoire importante! Mais quel hold-up! On a les mêmes tirs, j'ai plus de possession! Justement! Il fallait qu'il y ait un match nul! Zach, là, au bout de la première mi-temps et au bout de la deuxième. Il me tue, Zach! Non, la deuxième, je t'ai baisé! On va pas, se mentir! Là. Oui. Beau visionnage qu'on a vu, les gars! Vous en avez pensé quoi du match là qu'on a fait là, tactiquement? Là qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui allait pas? Que c'était moins fou, hein. On avait du mal à se porter vers l'avant, quand même, à créer des occasions, à créer du jeu. Et Ted, ça ferme sa gueule. Le titre de Manchester reste à la maison. Passez. Comment c'est pas là? Par contre, Yanis, sans mentir, sans rigoler, sans troll, c'était un beau match. C'était un beau match, mais ça, c'est des beaux matchs que j'aime bien gagner, tu vois ce que je veux dire ou pas? Putain, heureusement que j'ai pas vendu ça là, heureusement! Putain, j'ai perdu, mais tranquille, y a Renault FCB qui a kiffé la prestation. Là, ça me casse, là, ça m'énerve. T'as 25 buts de différence déjà en 8 matchs. T'as Barça reporter, il a kiffé. Le Joker petit. Ah, je viens voler une petite place à Yanis là. Non, mais tu sais que les gars, c'était vraiment un gros match, hein, sans déconner. Eh, t'es bien toi, Zach, hein. T'as déjà battu Tottenham, t'as battu United, les deux à l'extérieur. Propre. Ouais, ça va, là, ça les va. Deux victoires à l'extérieur, te mettent bien. Ça a mis bien. Sachant que les gens, quand ils viennent à Anfield, en général, ils claquent des genoux. Et par contre, Manchester City, mais t'as mis combien en tout de... Ah, j'ai mis 7-0, là. But... Et t'as mis 30 buts, t'en as pris 5. Putain.
Que des tartes. Tu fais peur. Tu fais peur. 19-5 pour Liverpool, 22-6 pour moi. Moi, j'ai marqué, ouais, je veux 19-5. Oh, hey, Malco, t'as marqué 6 buts, t'en as pris 8. Il a marqué 6 buts en première ligue. Et tout ça avec Harry Kane et tout, mais t'es une honte, t'es à gerber. Le volcan va bientôt rentrer en éruption. Comment ça, t'as marqué 6 buts, on a pris 8 en 7 journées. Le volcan va bientôt rentrer en éruption, je vous ai dit. Mais là, le volcan, c'est fini, gros. On en aura quand même. Aïe, aïe, aïe. Marquer 6 buts, encaisser 8. C'est vrai que c'est peu. J'ai 5 clean sheets, hein, en vrai, déjà. Ça commence, là, les clean sheets. C'est vrai que l'année dernière, t'avais du mal avec les clean sheets. Ouais, je mettais 5 buts. Faites continuer. C'est mon 2 buts à la fin. Ouais. J'ai envie de massacrer les 6. Yes, faut qu'on regarde la purge de football qu'il va nous proposer, les amis. Leicester, je leur ai mis 3-0 à l'extérieur. Hein, donc, je te jure, ils sont nuls. Bah, je suis à domicile, là. Frérot, moi je rends l'impossible possible. Baisse ta mère qui est au volcan. Match, c'est toi, ça. On a hâte de voir le volcan. Ouais, ouais, prochain match, c'est contre toi. Faut absolument que Bernardo Silva revienne sur le terrain. Fais-moi passer ça. J'ai gagné contre le Real, vous voyez, j'ai perdu là. Bon, pour l'instant, on n'est pas si mal niveau calendrier. Bernardo Silva. T'as vu qu'Arsenal s'intéresse pour de vrai à Gelson Martins. Mais oui, j'ai vu, ça m'a fait trop rire. Chaque fois que je m'intéresse à des mecs dans comment ça s'appelle. Dans FM, derrière, que ce soit avec les Wolves ou quoi, derrière, les vrais recruteurs s'y intéressent. Moi, je pense qu'il y a des gens parmi vous, vous êtes des scouts, voilà. Et vous vous intéressez un peu à ce que recherche Coach Bizot, je peux comprendre, les gars, il n'y a aucun souci là-dessus. Perdu contre les Real, ouais, ça a fait chier, surtout que j'étais bien, quoi. Mais bon. Ça dit quoi Il y en a, il a dit Malco, c'est un volcan d'Auvergne. Et l'autre, il a dit Malco, la honte du football. Un volcan d'Auvergne. Un volcan d'Auvergne. Je sais pas comment le rendre heureux, Ressou. J'ai pas envie de l'augmenter, il mérite pas. Oh. Oh, je suis tellement heureux. Oh Yanis, wesh, tu fais quoi en fait là? Oh Yanis, ça fait 30 minutes. Mais gros, je suis encore couché sur les 30 minutes, wesh. Tu sais que je fais reprise forcée, ça marche pas. Quitte et reviens. Ouais, ouais, ce que je vais faire. En plus, ça a pas lagué le match. En plus, là, de toute façon, on va juste regarder le match de Malco et partir 2 semaines en vacances. Hein. Ah bah, du coup, ouais, vas-y, vas-y. Je vous laisse. Vas-y, faites continuer encore, comme ça, on arrive au match de Malco. Josh Taïmon, pas tu mal. Tu peux montrer le classement? Ah ouais, ouais, attends, on va regarder. J'aime bien ce petit. Ouais, Josh Taïmon, il a l'air d'être pas mal. Mais de toute façon, les gars qui t'ont conseillé dans le chat, de manière générale, j'ai l'impression que c'était des bonnes affaires quand même. Josh Taïmon, vraiment. Genre, hein. Josh Taïmon, Tierney, tout. Dès que tu leur laisses leur chance, pas comme le pauvre Mbabu. Après Mbabu, je te jure, il y a trop de concu. Quand c'est vraiment... Bah oui, bah pourquoi tu l'as pris alors? Parce que je voulais vendre Walker, mais je pouvais pas vendre deux cadres de ouf dans le vestiaire. Ah, c'est chaud. Eh oui. Là, la saison prochaine, Walker il part pour un petit 100 millions au Real. Ah, c'est bien, il tempo. C'est... Ah non, c'est bien. Il partira jamais à 100 millions, hein, Walker. Je me sécure mon joueur. Kamel, il sort des sommes à chaque fois de foot sur ses joueurs, il part toujours moins cher. J'ai vendu Gundogan 70 millions, Agüero. Non, Gundogan, rien à dire. Mais Agüero, il est parti pour moi. Qu'est-ce que tu croyais? Laporte, il est parti pour moi. Je devais le vendre 70 millions, Agüero. Ah, bah écoute, moi, après, moi, je sais pas trop comment essayer d'intégrer Hazard. Après, bon, il a du mal à vraiment. C'est que ça a refusé les ventes. Il a fait des bons matchs. Hein. Il a beaucoup performé, tu vois. Et qu'après, on s'est retrouvé à la fin du mercato. Ils ont abusé de faire. Pas très cool, quoi. Je veux pas enlever. Ah, ouais, putain, t'as raison. Zach, tu streams, je suis encore à ton. Ah, mais heureusement que vous m'avez dit depuis le début. En fait, j'avais mis le chat à gauche juste pour les. Comment ça s'appelle? Juste pour les games. De temps en temps, c'est sympa d'avoir le chat. Azarandi, j'avais déjà essayé, mais en fait, au début, je jouais à milieu offensif. Au début, je jouais à milieu offensif et après, j'ai fait meneur de jeu. C'est en soutien. Et. Mais je joue pas avec ça, je joue avec ça. Voilà. Tu vois, je jouais un peu plus haut et ensuite, j'ai essayé de baisser un peu le bloc en jouant derrière. Il pourrait coller Hazard, mais je sais pas trop ce qui lui convient. Lui. Il a envie de jouer quoi, lui? C'est même pas lui-même. Il s'entraîne sur quoi? Il sait pas trop. Hazard à gauche, il impacte pas assez le jeu. Ouais, c'est le souci, mais bon, du coup, je peux pas. Il est naturel nulle part, là, pour l'instant. Après, il nous fait un bon début de saison, hein, malgré tout, mais j'en attends un peu plus de lui. La microéconomie, comme par hasard. Alors, comme ça, on a encore envie de faire une arnaque financière. Ouais, ouais. Encore 1 milliard à dépenser cette saison pour finir 5e et sortir en quart de la Ligue des Champions.
pense à Denis. Star gagnerait, je prends en attaque, attaque. Pas en ailier intérieur, ouais, attaque. J'ai pas réfléchi, j'aurais dû. Ah, putain, j'aurais dû en prendre un autre terme. On va cliquer sur vue et regretter. Je vous promets du beau football. Je vous promets du beau football. Putain, en plus, on espère, on espère. Il est venu en formation de la tortue. Non, mais tu sais qu'il l'a mise un peu plus haute que moi. Essaye contre qui il joue. Fais gaffe, hein. Ah ouais, mais attends, mais comment ils sont derniers? Parce que l'équipe elle est pas dégueu, non? Avec McGuire. Bah, Ndidi il est très très chaud. Après, Vardy dans le jeu, c'est pas ouf. McGuire, je t'assure, gros, c'est, il fait 100. Sur le terrain, regarde-le. Il fait genre 1m10 et 105 kilos, je crois. Mais en vrai, en plus. Hein. Enfin, 2m10, ah ouais, pardon. Dis alors, tu peux pas y aller, je peux pas. Parce que c'est... Oui, oui, non, mais c'est genre, c'est une montagne, mais il est si lent et il est pas très bon de la tête. Beckham, 23-21. DM, Yanis Zim. FMK, bienvenue. Merci beaucoup. Il y a pire, relax. Non, non, c'est pas ouf, mais dans le jeu, tu vois, oh, je le trouve pas incroyable. Pas du beau football. Eh, ça, tu nous as pas menti. Hein. Tu c'est nous as pas menti. Tu nous as pas menti, là. Ça va, il a pas menti, il a pas menti, il a pas menti. C'est vrai, c'est vrai. Paredes. Ouh, t'as pas de chance. Mais non, mais non, mais c'est la contre-attaque de Vardy. Vardy. Oh, regarde. Les deux pieds en avant. Assassiné. Oh, le catcheur. Hazard, en plus, tu prends Diogo. Eh, Diogo, ça peut être intéressant. Professionnel. Oh là là. Voilà. Let's go. Arrêtez, Ben. Ouais, va te faire enculer. Marco, vraiment, la tête de Scotty Moné. Casse-toi. Oh, j'ai joué mieux au football que toi. Bah oui. Pauvre Jimmy Vardy, regardez où il est tout seul au fond. De ouf. On dirait qu'il est puni, wesh. Attends, il y a 6 tirs à 4 quand même. C'est le mec qui campe, tu sais, genre quand tu joues au foot au lycée, devant les buts des autres. Oh, dommage. Il fort, dommage, Landro. Putain, 3 temps forts en 25 minutes, c'est le record, genre. Quel enculé, lui. Laisse-le kiffer une Wii. T'as vu, Nicolas Pépé, t'as vu? La propagande, la propagande ne s'arrêtera jamais. Tu leur fais des commentaires, ils sont tous mesurés, calmes. Professionnels. Ouais, ah voilà, gonflé à bloc. Félicite. Bravo. Ils ont marqué il y a 20 minutes. Quand ils ont marqué il y a 20 minutes, faut faire demander en plus. Demandez en plus quand tu gagnes, tu le fais toi? Ouais. Même si tu gagnes 1-0, quand genre ça fait un quart d'heure, tu fais demander en plus et ça marche. Okay. Ça, Kamel, il ose plus ça, maintenant que ses joueurs ils vont catch up. Mais Kamel, lui, c'est juste caractère. Moi, c'est caractère. Soyez créatifs, félicité. C'est tellement ça. Ouais, demandez en plus, portez-vous à l'attaque quand c'est la merde. Encouragé quand je prends un but. Merci, Talens. Allez, les gars, c'est Guedes. Ouais, Guedes, ça peut être intéressant. On a scout la dernière fois. Mais c'est des petits jeunes, faut on pas pose les poser des questions, c'est toujours difficile de faire des gros choix. Mais toi, Kramel, sache un truc, c'est que si on arrive à se jouer en LDC, j'ai préparé une strat spéciale anti-Kramel. Mais t'inquiète, tu peux pas préparer une strat anti-Kramel parce que c'est pas quelle est ma strat contre toi. Non, mais toi, gros, t'as... je vais arriver en 10 blocs, hein, t'es pas prêt. On se joue là après les 15 jours là. Ouais, je sais. Oh la pression. On se joue chez toi, faut absolument que je gagne. Si je gagne, ça m'assure quasiment le titre. Putain, Mitsan il est horrible, je vais le virer. Ça? Tu le vends combien? Non, mais je veux dire, je vais le changer. Kamel il continue sa collection de joueurs, hein. Ça le dérange pas. Hein. Je te jure. Je suis rentré de l'adolescent. Joao Félix, 14 ans déjà. Il a pas terre, hein, sur sa photo, c'est une honte. Allez, let's go! C'est comment ouais, je fais les Leicester, c'est quoi déjà? Aucune idée. Zach, toi quoi? Qui t'y connais bien en... Ouais, en nom. En hooligan, c'est quoi les... Ah, les... le blast des noms de Leicester? Ouais. Je sais pas. Quelqu'un peut dire dans le chat? Non mais les gros, Fox, je connais genre... Foxes. Ouais, ah, ouais, les Foxes. Ouais, genre je connais des conneries genre les Toffees, les Hammers et c'est tout. C'est qui Toffees déjà? Toffees c'est Everton, Hammers ah, okay. C'est West Ham. Les Terriers aussi. Les Terriers, c'est Huddersfield. On en apprend tous les jours. Hein. Putain, quand on joue avec Huddersfield, je vais contre perdre d'aller les Terriers.
Regardez sur ce monstre. Leicester, là, ça attaque. Hein. 4-2-3-1, ça accepte le football. Il est trop nul, Claude Puel. Ouais, ils sont tous anxieux et très frustrés. Une masterclass de Claude. Anxieux et frustré, mais il leur dit nique ta mère sur le côté du terrain, quoi. Niquez ma mère. Oh non, au ralenti, ça serait terrible. Oh, Biglia. Oh là là. Oui, non, faut pas trop. En bas. Regarde, tes joueurs, ils sont à 5, ouais. 5 sur 2 mètres, gros. Poussins, wesh. C'est vraiment ça. Oh, la porte. La porte qui s'ouvre. Hein. Ah oui, la porte. Zlatan. Ibrahimovic. Mais gros, putain, mais dès qu'il est repassé en bloc correct, il a pu se recréer des occasions. Il est honteux, Claude Puel. Claude Puel, c'est comme Bielsa, il passera pas l'hiver. Des grandes mines, hein, je te dame. Une deuxième victoire d'affilée en championnat, ça fait plaisir. Et un septième but marqué en 8 rencontres. 1-0 à domicile face au dernier. Félicitations. Putain, le match de la porte, il est incroyable. Eh, c'est les 3 points qui comptent. Hein. Ouais, moi je veux que ça. Hein. Putain, ils sont... mes supporters, ils sont trop heureux que j'ai giflé Yanis. Mais jure, Moussa Dembélé. Ah non, c'est l'autre. Faites encore continuer, comme ça après on peut partir. Vous quittez la game, on part en vacances. Ouais. T'es là, Yanis? Ouais, c'est moi, j'ai quitté la game là. Oh là là, efficace. Oh, y a un mec qui m'a DM, ce débile, il m'a dit quoi? Y a quoi que tu comprends pas en microéconomie? Il a cru que c'était moi. Bah vas-y, pas ce débile, frère. Eh, vas-y, viens, renvoie le vers moi, s'il te plaît, là, je suis en train de galérer pour de vrai. Hop, attends. Allez, vas-y, lisez vos mails et partez en vacances jusqu'au... On dit jusqu'au combien? Quand les prochains matchs, là? Alors, le match, il est le 19, donc on dit quoi, le 17? Pourquoi tu scannes chaque résultat? Ah pardon, vous entendez? C'est pour mon monteur, parce qu'on veut faire un best-of. C'est pour lui faire gagner du temps, désolé. Qui n'a signé à Tottenham? Excusez-moi. Chaque journée, je fais un petit screen. J'ai même pas à chercher, je cherchais à l'avoir. Vas-y, quittez du coup. Quittez, je parle. Vas-y, attends. Non mais je m'en foutais, genre. Mais tu vas voir, quand il va aller chez toi, j'ai dû lui faire une offre à 0€. C'est bon, on quitte, ouais, on quitte. Il y en a, il a dit prochain mercato, Malco il va prendre David Beckham. Prochain mercato, ça va s'activer. Hein. Il va regarder pour Roberto Carlos en backup. Bon, tu commences à quand même mieux connaître tes joueurs, PA, tu sais ce que tu veux là. Non, en vrai là c'est pas mal, un peu déçu du Real, mais. C'est dans quel secteur là où tu te sens un peu fébrile? Dans un secteur qui s'appelle Mezout. Ah. Le Mezout aux îles, ça. Dans le Mezout, je suis pas ouf en ce moment. Non, Hazard, il a du mal à trouver vraiment sa place. Et ça, c'est tout le monde, je pense. Hein. Dès qu'il y a une star qui arrive, moi Mbappé, bon, il a mis 7 buts, mais... Ça va. Vous avez tous quitté? Ça va. Monsieur, ça va quand même. Ouais, ça va. En combien de matchs? En 8? C'est pas mal. Ouais, en 8 matchs. Mais je sens, tu vois, qu'il se fait carrer un peu pour mon pote. T'es honteux. J'en reviens, j'ai pissé. Non mais tu sais, il a toujours 6,4, 6,5, ah ouais, je comprends. But à la fin. Mais c'est dur, je trouve ça dur de trouver son attaquant en fonction de la compo où tu joues. Moi j'avoue que dis pareil Aubameyang. De quoi? Agüero était pas mal avec ma compo. Mais Agüero, vraiment, il te marquait que des golazo, toi tu l'as ajouté comme un malpropre. Frère, c'est tout, moi je vise le futur, c'est pour la pérennité du club. Oui, mais on va pas jouer 14 saisons. Hein. Non mais non, qui sait? On joue 2 saisons encore. Non, j'avoue, en vrai, on est tellement possédé, gros. Après, en fait, ce qui est chiant sur FM, c'est le moment où la 3e saison, c'est soit le moment où t'es vraiment dans un truc, mais j'avais fait des saisons sur FM où quand il commence à y avoir des Ronaldo qui sont à la retraite, les mecs qui... Y a plus que des Regen et tout, là, qui étaient fumés en plus dans les autres FM. C'est plus trop un plaisir, quoi. Bah après, ça va, entre nous, c'est quand même toujours drôle de jouer des matchs. Ah, nous, ça, c'est cool. C'est ça, là, vraiment, quand hier, vous avez dit que... Quand j'ai appris qu'on allait jouer 2 jours d'affilée, j'étais... Le mec le plus heureux du monde. Ah, parce que là, du coup, on va pas trop jouer, là, je crois. Faudrait peut-être qu'on essaye de s'arranger pour pouvoir jouer peut-être mercredi. Faudrait voir. Moi, je pourrais mercredi, ouais. Mais je crois que Yanis, il peut pas parce qu'il a ses cours. On va voir avec Yanis Zob. Et sinon... Alors, attends. Mardi, je peux pas, sauf le midi. Jeudi, vous dites quoi, vous, jeudi? Moi, je crois qu'il faut que j'aille à l'aéroport genre vers 16h. Donc, à la rigueur, si on peut faire genre à midi 15h. Ah, c'est chaud, putain. Non, moi ça m'a remis genre midi 15h parce que j'ai cours. Oh là là, on va devoir attendre lundi prochain. C'est pas grave, mais après je pense la semaine prochaine. Après c'est bien parce que ça laisse le temps aussi aux gens de temps en temps. Parce que là on a fait aussi des sessions de bâtard. Hein, pour les gens qui veulent suivre notre aventure et tout. Mon micro il coupe ou pas?
Ouais. Ok, ouais, parfait. Merci. Tu sais, mais il coupe. Attends, on t'a rien dit. Non, non, mais c'est parce que je voyais le truc, attends. Je vais pouvoir me réveiller après 15 heures maintenant. Voilà. Ah, mais ouais, mais ça devait couper full en fait. Ça va, ça va, ça va. Mais ouais, non, comme et du coup, ça permet aussi aux gens de savoir à peu près où on en est, quoi. Comme ça, quand on reprend lundi prochain, tout le monde sait où on en est et ça se la met. Yes, carrément. Et s'il y en a ici, sur n'importe lequel des streams qui a des bons délires, des trucs à ne pas rater ou quoi, à Copenhague, n'hésitez pas à me tweeter, voilà, je regarderai. Et... j'ai cru que ça partait, tu sais, un truc comme si quelqu'un a un truc à dire, je l'encule, ok. Non, non, mais t'as vraiment pris ta voix de genre, tu vas les terminer, ouais. Putain. Hé, hey, Kamel. Ouais. Tu connais la couleur de Manchester ou pas? Ouais, ouais, ouais. Tu peux la voir tous les jours en regardant le ciel. Oh, c'est beau. Ouais, c'est poétique. Oh, Manchester is blue. C'est sublime. Mais tu t'es pas avec Bruce là après, Kamel? Si, si, à 19h30. Donc tu pars chez toi à 19h? Ouais. Du coup, on arrête à 18h, genre 45-50. Vas-y. Ça marche. Ça marche. Somme vaut. Ça en est où dans les vacances? C'est bon, vous pouvez revenir. 38 mails. Ya yeah Mendy signe un nouveau contrat. Nouveau contrat pour Alexander Arnold. Hop, hop. T'es sûr, Alexander? Petite signature de Moiskin. Proche, je serais pas sûr d'Alexander Arnold. Mais non, t'as acheté Moiskin? Ouais. Combien? 30 millions. C'est la crèche, hein. C'est vrai que c'est ouf, putain. Je t'ai pas dit qu'il fallait un cadre, là, un mec de 25 ans, 30, enfin 30 ans. Non, mais c'est pour le backup, hein, Harry Kane. Fallait prendre de pour le faire souffler et tout. Ouais, ouais, parce que c'est vrai qu'il a déjà pris de l'expérience en backup 9. Bah ça, ouais. 41 emails. Le pauvre, il va rentrer sur le terrain à 0-2. Non, t'inquiète. Avec tous ses potes, oui, qui ont 18 ans. Sancho reprend l'entraînement. Ah ouais, l'équipe, oh, oui, de la semaine. Ben... il y a 8 joueurs de Kamel. Hein. Oh là là, Gendouzi mécontent, qu'est-ce qui se passe, frérot? À chaque fois qu'on part en vacances, c'est la merde. Hein, de quoi? Tu m'as dit quoi? De quoi? Ah, j'ai compris le truc. Après, ça m'a... je vais voir ce qu'ils disent, mais c'est Xen, merci beaucoup pour le sub, bienvenue à toi, poteau. On est combien? On est presque 2300, je crois. 2285. Oh, c'est beau, semaines. Merci à vous. Mais ce débile de Wanyama, il était suspendu avec son pays aussi. Putain, hématome à la cheville, le roi Sané. Ça allait être un boucher, hein, sans trop donner d'infos. C'est grave. En plus, il l'appelle comment? C'est un milieu défensif tenace du Kenya. Putain, Sané. Tenace. Là, tu vois que c'est pas un joueur de foot, tu vois. Bah, Sané, tu mérites un nouveau contrat, frérot. Je vois ce qu'ils disent mes supporters sur Moiskin. On les arnaque. C'est un bon accord. C'est comment que je peux foutre au joueur quelques repos? Là, je suis dans repos et donc je dois mettre quoi? Intensité normale, oh, ou demi-intensité? Je fais quoi? J'ai des joueurs importants qui sont un peu crevés, je joue Kamel dans 2 jours. Normalement, soit en solo, mais c'est Yanis qui connaît ses entraînements, repos, ensuite individuel, je crois. Non, dans repos, il y a repos. Ah, ouais, bah, je suis dans repos, j'ai la liste des joueurs, mais sauf que intensité, c'est où que il n'y a pas d'envoyé en repos. Marais se blesse face à l'Algérie. Hein? Avec l'Algérie, pas. Ah. Ah oui, reposer un joueur. Donc, en gros, je fais... Yanis, t'es là? Ouais, ouais. Je fais... C'est bien, ça. Donc, ah ouais, je fais entraînement, je vais dans repos, ensuite je fais clic droit sur le nom du joueur, entraînement, repos. Il est pas, voilà, mal, le petit Emile Smith, là. Non, en fait, je servais à quoi, là? Bah, c'était pour que tu valides. Ah, ok. Je t'en supplie, hein. Vas-y, on va envoyer Naby Keita. J'aime bien, lui. Alors, Arsenal est combien? Bah écoute, pour l'instant, les Gunners, à la 8ème rencontre, sont 4ème. Toujours à 3 points de City, donc ça fait plaisir. On est toujours en embuscade. Donc ça, c'est très très bien. De Jong se blesse, bah c'est bon, hein. Pourquoi je peux pas mettre Van Dijk? Ah, vas-y, frère. 4 passes d'aide, t'aurais un... Oh, Yanis. Ouais. Le délire repos, là, c'est aucun travail sur le terrain ou en salle de gym, non? Ah, oh, c'est ça aussi. Mais il y a plusieurs variantes. Il y a aussi... Okay, bah, je vais faire ça alors. Un jour de... Ouais, c'est voilà, ça me met un jour de repos, tu vois. Ouais, je vois pas Van Dijk dans la liste. Attends, je joue dans 2 jours.
Ouais, parce qu'il est encore en international, peut-être. Ah, vas-y, go faire next. J'ai tellement de blessures, frère. Ah, c'est pas David, puisque il y a eu un mec qui a mis grave du temps à charger pour moi. Attends, moi je vais juste mettre à reposer mes joueurs deux secondes. Hein. Parce que ouais, je joue Kramel, il va falloir que. Que je prépare une strat anti-cram. Anti-cram. Putain, je sais pas qui. Il est où Mbappé, ouais, je crois que j'ai pas tous les joueurs. Ah, mais c'est parce qu'ils sont pas revenus de l'entraînement, c'est ça? Ah, ils sont en section. Ah, bah, du coup, je peux pas les gérer, quoi. Ça qui est trop chiant. Ah, t'as gagné, c'est la merde. Là. Ouais. Oh, je suis dans la sauce. Bah, après, Zach aussi doit avoir full joueur en international, non? Ah, ouais, ouais. Ah, moi, ouais, j'étais ouais. blessé, moi. Ah, ouais, ok. Bon. De Jong et tout qui sont blessés. Après, les gars, un petit match nul entre vous, mais très bien. Ça, je vais pas vous mentir. C'est vrai que c'est ouais, ouais. vrai, les choses. C'est ce qui nous ferait plaisir derrière. Parce que j'avoue que là, si je gagne. Parce que là, si tu gagnes et que... Putain, c'est chaud, hein, parce que... United est à 5 points de toi, moi je suis à 3 points de toi, mais t'as un différentiel de bâtard. Même ouais. si un de vous deux, hein, vous vous envolez, quoi. Après, Watford, ils ont toujours pas perdu une game. Ah, ils ont juste fait leur match nul, hein. Ils ont battu Liverpool et ils ont fait nul contre United. Ouais, ouais, mais je les joue le prochain match, je vais les massacrer, voilà, t'inquiète. Bien, il a commencé à comprendre. United, direct. Go next. Pourquoi? Ted pas dit Manchester, voilà. Ah, ok. En mode, ils disent Manchester City. Ils disent tout City, hein. Ah ouais, ils disent Manchester maintenant. On peut faire continuer, s'il vous plaît. Le duel dans le duel. Bien sûr, on est un club ami, Malco. Hein. Tottenham, et moi, et toi et Chelsea, on a 4. On est les plus grands. De quoi blessés. Ouais, bah frérot, je t'ai dit, moi, je suis niveau blessure. Ouais. Mais ça va, Sancho, il revient là. Je suis trop bien. C'est lui, mon meilleur joueur. Il me manquait. Askip Awar a choisi l'Algérie. il est où ton joueur Ça sort d'où ça? Il est où ton joueur, comment ça s'appelle Parfait. Le mec qui m'avait fumé la saison dernière, Malco. Je sais plus comment qui il s'appelle. T'avais un crack, je crois, il était en prêt. Il était trop ouais. fort. Ah ouais, Everton ouais. Ribeiro. Ouais. J'ai pas levé l'option d'achat. Mais t'es une merde, il t'a trop sauvé. Mais recrute-le, wesh. Je crois que je vais le reprendre. Yanis, continue. Trop tard, ouais. frérot. Je vais le reprendre, déjà, je vais lâcher un. Shaqiri, je pense, je vais le lâcher. Everton Ribeiro, c'est ça? Ouais, c'est... Oh, Castor. Il donne tout. Frère, moi, j'ai joué contre lui, il m'a fumé, ouais. Mais il a fumé tout le monde, de toute façon, c'est simple. C'est Ailier Audacieux, c'est lui, hein. Ouais, c'est lui. Eh ben, bienvenue, frérot. arrête. Enjoy Everton. Enjoy City. Non, t'avais oublié, wesh. T'es une merde. En plus, bah non, mais j'avais pas mis en fait d'option d'achat, tu vois. Je t'ai laissé mon skin. Frérot, je te vends Shaqiri si tu veux. Non, je peux pas. Frérot, moi, il connaît mon club et tout, t'inquiète, tu vas vouloir revenir. Vas-y, je te laisse. Ah, Yanis, si tu peux pas quitter, bah quitte. Ah non, si, c'est bon, excuse. En fait, j'étais en attente, genre en haut, et je pensais que j'avais déjà passé. Il est pas, c'est un jeu. Et encore, c'est un jeu. Il est où? Il a 30 ans, c'est pourri. Ouais, mais justement, vu que j'ai une crèche, une garderie. C'est grave. Honnêtement, avoir des joueurs de 30 ans, c'est trop bien. J'ai une garderie devant, je cache pas que. Ah, franchement, j'ai du Salah Mané, ils ont 27 ans. Firmino, pareil. Mais ça, c'est 27 ans, c'est l'âge parfait. Hein. C'est le jeu. Là, le joueur, il est max. Ouais. J'ai du Henderson, du Milner, un peu, tu vois, quand même, pour de l'expérience. Et Zach, je sais pas ce qui va t'arrêter pour la Champions League. Moi, je. Bah putain, tout à l'heure, l'autre jour quand on demandait. Hein? L'autre jour quand on demandait, ouais, c'est qui va gagner quoi, y'a pas un qui a dit mon nom dans quoi que ce soit. En vrai, tout le monde voit qu'il va faire un doublé là encore. Ah, PA, demande à ton stream. Je crois que t'étais pas là quand on avait demandé. Demande à ton stream, c'est quoi leur prono pour la C1? C'est impossible de faire le doublé, c'est qui va gagner la Ligue des Champions? Et la PL, parce que la PL c'est limite plus. Là, Kamel, pour l'instant, si on fait les deux, ils vont tout dire d'un coup. Faites Ligue des Champions, Première Ligue. C'est quoi vos pronostics? Oh là là, il y a du, il y a de l'émote de Gunner. Hein. Je te le dis, il n'y en a eu qu'un. MDR. Malco, fais continuer. Ouais, attends, je demande à Shaqiri de parler au club. Gros, on est en septembre. Il y a du City, il y a Arsenal. On est en septembre, pourquoi tu fais ça maintenant? Pas mal Liverpool, hein. Liverpool, City et un peu d'Arsenal aussi.
C'est bien, on a, il voit que le nouveau 4-2-3-1 entraîne du jeu de qualité. Oh là là, j'ai une offre de pour Kolasinac. Combien? 30 millions, putain. De qui? De Leipzig. Après, je dois continuer à les payer et tout. Leipzig, mais... dis-toi que c'est une racaille. Hein. C'est des racailles. Hein. Genre, tu vas leur demander à un joueur, ils vont te dire 113 millions, gros. Genre, je leur ai demandé. Le ballon, ils aiment trop. Ils aiment trop dire non comme ça. Je leur ai demandé. Juste dire non, ils vont te demander 600 milliards. Genre. Je leur ai demandé Upamecano. Tu sais, je me dis, allez, petit DC tranquille. J'offre genre jusqu'à 40 millions. Eux, ils me disent 113. Allez, oui, allez. Va baiser ta mère. Deux secondes, j'ai un joueur qui m'embrouille. Eric Dyer, TL Proven. Il y a qui t'embrouille? Holding. Bon, allez. C'est après son triplé, ça. Il a pris il a pris la confiance. Mais Kolasinac, là, putain, faut que je le tège. Mais si je le tège... Même Mahrez s'est blessé, wesh. 30 c'est millions, c'est pas mal. Hein. Vous en pensez quoi, la MIF, sur Kola, là? Bernardo Silva, il est... C'est une offre qui peut s'accélérer. C'est bon, il est revenu. C'est une offre, honnêtement, qui peut s'accepter quand même. Banco qui n'est plus qu'à 5 points de... Je le trouve pas si ouf, il nous faudra une doublure, ça va nous permettre d'avoir quand même des choses, mais le souci, c'est qu'on a Guerrero blessé, mais là, il est en embrouille, quoi. On s'en sert pas tant que ça, il a une position très, très offensive. Banco, j'ai la semaine prochaine, en plus. Après, j'ai de la contribution salariale, quoi. En plus, je vais pouvoir... Ouais, déstabiliser au club, si tu n'es pas autorisé à négocier. Tu vois, en fait, le truc, c'est qu'il va péter un cap, quoi. Il va rendre fou, je pense, sinon. Et ouais, il part qu'en janvier, donc il part pas tout de suite. Et c'est un souci qu'on a à gérer en janvier. Je vais accepter. Je vais accepter. Comme ça, on a 2 mois et demi pour se dire, ok, il faut qu'on focus sur un défenseur gauche. Je vais continuer. Attends, deux secondes. Je suis embrouillé par tout cela. J'en ai eu pour une minute. Je vais aller en ultra défensif, je crois, contre Watford. Parce que là, ça part dans la presse et tout. Ok. Ah ouais, le mec, le genre de gars qui veulent se barrer pour jouer, tu sais, t'es en mode bon bah. Genre, y'a qui? Kolasinac là. Il joue pas dans ton dispositif? Bah, j'ai Guerrero en fait. Mais bon, 30 millions, après, il est pas mauvais quoi, mais physiquement et tout, mais. Ouais, c'est tout. C'est un Mbappé. Ouais, voilà quoi. Et il fait bien les touches, mais bon, c'est dur de. Kolasinac, je me le fais à combien? J'ai une offre de 30,5 millions, donc plus quoi. Kamel, ça t'intéresse pas, putain? Le côté gauche. Pilou Super Kid, bienvenue. Niveau physique, c'est incroyable. C'est Yanis qui m'a demandé? Ouais. T'aurais quoi à proposer sinon d'intéressant qui pourrait partir? Qui pourrait partir? Je peux rajouter des soupes à Matic, hein, me propose pas ça. Ah oh bah, voilà. Bon, frérot, c'est des belles négociations. Là. Oh oui, le retour de Jadon Sancho. Que tu veux plus qui, toi? Tu veux plus chaud? Jean Chaud, c'est un anglais, il met bien, donc je vais le garder. Du coup, tu vas avoir 3 latéraux gauche? Avec Sandro? Ouais, mais en fait, j'ai envie de tester un nouveau système avec. Je peux pas t'expliquer parce qu'après, je vais tout dévoiler, tu vois. Avec 2 latéraux gauche, c'est ça? C'est ça la strat? Non, parce que Alexandro, il peut jouer plus que latéraux. Ah, ok, il va jouer devant, quoi. Bah écoute, si tu me une offre à 30 millions cash, ça part, si tu veux. Non, c'est bon, ça ira, merci. Pas de soucis. Bonne chance à Kolasinac dans son nouveau club. C'est qui t'a fait ça? Leipzig. Ça va impressionnant. Non. Attends, je joue contre eux. Non, ok. Il est déjà en demi. C'est en janvier, donc c'est tranquille. Leur pote. Salzbourg. Rasenball Sport. Les gens, ils disent RB, ils pensent que c'est Red Bull, tu vois. Même FM. Alors que non. RB, c'est pas Red Bull. Hein. Ah ouais, putain, moi je pensais, j'avoue. Ouais, en fait, ils ont fait une petite girouette parce que c'est interdit par la loi de mettre une marque dans un club. Oui. Du coup, ils ont fait. En gros, en allemand, ça veut dire quoi? Ça veut dire sport de gazon Salzbourg. Oh l'enfer. Les sports de gazon Leipzig. Oh le cauchemar, quoi. J'espère qu'ils payent beaucoup Red Bull, hein, parce que quand t'es supporter, aller voir le sport de gazon, je sais pas quoi. Non, sport de balle sur gazon. Ah oui, pardon. excuse-nous, le il y aura les Allemands LV2, là, ils vont me casser les couilles. Ah, je bug, je crois. Parce que je suis marqué en attente, mais... Non, c'est bon. Ah ouais, non, c'est bon. Allez, continuez. Je joue Kramel. Putain, il y a des gros chocs, là. Tottenham Watford. Pas sûr que ça rentre dans la catégorie gros choc. Hein. Calme-toi, s'il te plaît.
Bon. De light coulis. Qu'est-ce que je peux faire dans cette petite compo? Après, ça joue, quoi. Après, il me faudrait peut-être un goal. Cancelo est trop fatigué. Un petit Petr Čech, quoi. Quoique Petr. Comment ça? Pourquoi ils sont pas contents? Sané, je l'ai augmenté, ouais. Le souci, c'est qu'il est lent, quoi. Mais bon, il a plus... Pas, parce qu'il est pas encore... Là, okay. C'est la fin, quoi. Il Allez. Me faut un goal, hein. En vrai, il me faut un goal, hein, parce que Leno, il est... Ils veulent tout mon effectif. Ils observent Ederson. Leno, il est moyen, quand même. Il a une telle vitesse que... Je pige rien. Ah ouais, c'est des stats. En plus, là, je t'avoue que j'explique pas tout, comme on est en multi. Arrête sur ouais, la ligne 17, hein, Leno, quand même. Hein. C'est plus solide. Def gauche, Alexandro. Il l'a même déjà. Comme ça, c'est pas mal, non? Yanis. Ramel Krebir. Yanis, il l'a déjà. Après, je suis à domicile. Faites continuer. Anto Lopez. Oh, je crois. Ouais. Hein. Je crois que je vais aller chercher Anthony Lopez. Hein. Honnêtement, le match qu'il a fait hier, n'empêche. Sa triple parade, là, incroyable. Qu'il est beau. Vous finissez à quelle heure? 18h45 à peu près, il y a Kamel qui doit bouger je crois donc. Ouais je dois bouger les gars. Dans ces eaux là. Putain. Ouais Tierney 10 à l'entraînement. Eh ben. Seul fils de pute. Fou de ma gueule aussi. Je suis allé le féliciter, Chiesa, il m'a dit je n'ai pas l'intention de réaborder ce sujet à nouveau. Moi c'est toujours bon à entendre, merci, parce qu'il respecte. C'est ça que c'est vraiment le prof de PS, quoi. C'est un malade qui est ça, wesh. Prof de PS. Hop. Ah, gros, c'est un accompagnateur pour ces joueurs. Allez, je pense que j'ai développé une tactique anti-cramel, là. Oh là là, le choc! Liverpool contre City. J'ai tenté. Allez, Mbappé. Tous mes joueurs, ils sont fatigués. Désolé. T'as moi, Van Dijk, il est archi crevé aussi. Ouais, moi, j'ai pas de Young. Il manque un cadre là. Ah, mais vous jouez maintenant là, vous? Ouais. Ah, je joue demain, moi. Ah, non, le 19. Ah, là, moi, je joue demain, on joue. Ah, oui, pardon, je suis con, je suis con le 19 aussi. Vas-y, go next. Si vous venez de faire le briefing, on est tous pareils. On est bon. Ouais, ce soir à 20h, je suis avec Gigi et tout, on va faire du JS Kepis. Pour ceux qui se demandaient. Merci beaucoup, Conla34. Bienvenue à toi, mon pote. Il y a un planning chargé. Je l'ai même pas planning chargé, je l'ai gagné juste. Il y a 19h, il y aura Théo. Allez. David Raya. LDC, t'as fait quoi? Victoire contre Schalke et défaite 5-4 à l'extérieur contre le Real. Mais qui avait fait match nul contre le Spartak. Mais le Spartak, du coup, a gagné contre Schalke. C'est chaud. Vas-y, mets la musique qui le va au colonne, Zach. Si je peux la chanter. Allez, Zach. Le match des hommes alpha, cette ligue. Oh mon dieu, arrêtez de vous soucier. Oh, Eden est tellement mal. Mathieu Wobby, hein. Putain, Lucas Moura, il est encore blessé le matin. Salad Guy, bienvenue. FM plus JSKP, tu nous gâtes. Oh là, on se régale en ce moment. Est-ce que je ferais pas rentrer Bernardo Silva, mais il revient de blessure là. Allez, let's go. Non, on va laisser De Bruyne. On va laisser De Bruyne. C'est technique les choix là, ils sont tous fatigués quoi les mecs, ceux qui reviennent J'aime trop ces moments là, mon cœur il bat à 1000, ouais, frérot, allez. C'est trop bien putain. Allez. De Bruyne. You never walk alone. Mahrez est blessé les gars, Mahrez est blessé. Bah, ouais si il est blessé. Hein. You never walk alone. On est parti. Let's go. Bon du coup, moi je joue contre Southampton à domicile, il y a Liverpool contre City aussi qui se joue. En même temps, ça se passe mal. Ça pas 8,35 de moyenne, ouais, mais il a deux matchs, quoi. C'est pour faire tourner Bellerin, je pense, prochain match, on va le faire jouer. Avec Ressus. Fais jouer un peu Gendouz. Bah, le souci, c'est qu'il est vénère de ouf, là. Il est vénère de ouf, le con. Donc, il a joué contre un des 4 autres clubs. Pas encore. Pas encore. J'ai été blessé. Je pense que ça sera la prochaine session. T'auras pas 100%, c'est pas grave. 92%, c'est pas gênant, honnêtement. B-Boy, Gigi, Alfouille, c'est exactement la compo de ce soir. 83, pardon. Ça a bugué ou quoi là? Non, c'est moi qui. Il y a Yanis qui casse les couilles. allez. Ça va, rien de nouveau alors. Ça va, on est sur de la régularité. Bah, gros, je sais pas, ils ont fait quoi en sélection mes joueurs, mais. Ils ont pas que joué. Allez, Southampton là, on leur montre. Ils s'en battent les couilles, mes c'est joueurs. C'est bien, dès la causerie, ils sont motivés, allez. Ouh, c'est parti! You oh là never là. Walk alone, mes amis, on est à domicile. Bon, allez. Nous aussi on y va, un match moins important mais c'est quand même 3 points à récupérer à la maison.
Faut pas lâcher. Je veux voir du Domingo Gunner, c'est les potes. Ouais, faut pas y aller en offensive contre moi, genre en normal. Allez, c'est parti, bonne chance. Allez, ah, let's go. Long ballon là. Let's go. Le signe est bon déjà. J'étais imprudent là. Yes. Aïe. Est-ce qu'on envoie Bielsa à la retraite ou pas? Bien. Ouh, ça joue bien. Ils sont dedans. Oui, Keza. Pourquoi j'ai acheté d'ailleurs? Oui, Keza. Oui, oui, oui. Ah non. Keza, Sadio Mané. J'ai pas De Jong, je peux rien faire. C'est ni ta mère d'ailleurs. Sadio Mané. Sadio Mané. Tu me l'as vendu. Regarde comme il est nul. Regarde. Les autres qui vont s'embrouiller. Je vais prendre une sauce là, vraiment là. Encouragé. On va prendre une sauce contre ça, les Guerrero. Allez, on est parti. Oh putain, holding, t'aurais fait plaisir. T'aurais fait plaisir. Oh non, on va pas s'en prendre 3. Hein. J'ai peur de ce qui va se passer là. On a changé de compo, ça y est, tout va changer. Allez, Torreira pour Bellerin. Bellerin côté droit qui va remonter le terrain sur Mesut Ozil. Mesut Ozil qui perce la défense, c'est très bien joué. Mesut Ozil, dommage, la frappe pas du mal. On va entendre un peu ce qui se passe chez eux. Allez, les amis. Oui, les cartes. Allez. Ouais, les mecs là, on a la possession. Délé, c'est quoi ça? Putain. The Light Koulibaly, c'est solide. Pas ouf pour l'instant. Ederson, parfait, voilà, c'est bon, c'est pas grave. On a pris un but à la première minute. Mais c'est le script de Zach, on n'y peut rien. Le script de Zach fait que je m'attends de vous. Ouais, il parle pas, mais. Il perd 1-0 en face. Je suis dans la sauce. Oh là là, mais Mesut, baisse ta mère. C'est lui, Sterling. Non, Louis Sané, let's go le roi Sané, let's go, 9e but de la saison. Jamel, il va se faire défoncer par ses voisins. Aucune intensité. Frère, il fallait juste une passe, gros. Fallait juste une passe, quoi. Putain. Mais oui, c'est pour jouer comme Sané. Ça, là. C'est pour jouer sans envie, sans sens. C'est pas grave. Ça gagne 7-0, mais ça bégaye contre Southampton. Ouais, pourtant on a les tirs et tout. Je sais pas ce qui se passe mal. Putain, je suis en train de les massacrer. Je sais pas ce qui se passe mal. Let's go. Bien. Walker le centre, parfait. Allez, récupère. On a du mal. On a la Martins merde. Qui joue pas très bien. Personne joue bien. Tierney, mon crack. Tierney, mon crack. 2-1 pour City contre Liverpool. À l'extérieur en plus. Plus par les côtés, peut-être. Merci, Clem. Allez, là, les gars. J'attends beaucoup plus de vous en deuxième période. Ah, Mesut, il y a un moment, tu peux pas être stressé. Il y a un moment, gros. Il y a un moment, il va falloir que tu portes. Hein. Il y a un moment, il va falloir que tu portes. T'es pas capable de porter. Il y a Mickey, hein. Moi, je vais peut-être un peu plus sur les techos. Oh, on va juste mettre de jouer un peu moins coincé. Parce que là, on joue coinceman. C'est pas ce qu'on veut. On veut du jeu, putain. C'est pas ce qu'on est en train de proposer. Iwobi, il a du mal aussi. Tout le monde a du mal, là. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Qu'est-ce qui vous arrive, Udin? Encore merci pour hier, Domingo, encore excellent. De quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'as-tu aimé? Comment il peut stresser aussi? Oui, monsieur Martins, qui était passé en attaque, qui passe dans le dos. Sublime, allez les gars, là. Des requins. On veut voir des requins un peu sublimes, là. Tu te démarques et tu vas la mettre, la petite tête. Voilà. 60 000 personnes, putain, dans ce stade, là. Il y a un moment, il va falloir désemparer. Au bas, tu vas sortir, si tu comprends pas. Parce que t'arrives pas à capter, mec. Tu touches pas le ballon, tu te démarques pas. Si on va voir un petit peu les stats, qu'est-ce qui se passe au bas? 45% de passes pour Ozil. Non, 45 passes. 50% de passes réussies, pardon. Iwobi, 66%. C'est mauvais. On est juste sur quelque chose de mauvais. Il faut savoir le dire. Oh là là, mais ça joue mal en fait. Le truc, c'est que Nelson, il est vraiment trop jeune, quoi. Et Mickey, il peut pas jouer à gauche. Très difficilement, quoi. Genre très très... Je vois pas Ozil à gauche, quoi. Oh, Mesut à gauche. T'étais sur énergie, Demi. Ouais, non, je sais, mais... Qu'est-ce qui se passe? On va laisser là sa chance à Iwobi, attendez. On va laisser sa chance à Iwobi. On va continuer comme ça. 59e, allez. Et du jeu là. 17 tirs, 11 cadrés, un peu plus de possession, ça ferait plaise. C'est vrai que c'est Kiwobi, j'ai pas hasard donc. Là, ça marche pas là, on est d'accord. On va entendre un peu non, ça marche pas. Aussi.
Oh, j'ai Gabbiadini. Oh, Gabbiadini qui va nous mettre une sauce. J'ai perdu 2-0 à sa mère. Contre Watford. Qui est blessé. Ouais. Mesut blessé. Ah là là. Mesut en total sauce. Mickey qui va avoir un rôle important. À jouer maintenant. Et Wobby toujours aussi mal. Vas-y, Wobby, si c'est pour aussi mal jouer, vas-y, hein, gros, on va te changer. Hein. On va te changer, on va faire confiance à Nelson. Ozil out, j'aurais pu mettre Ramsey aussi. Allez, c'est ça qui est en train de... Le match, il a repris ou pas? Parce que là, j'ai peut-être joué. Mais j'attends que tu reviennes. Ah, ok, ok. Jouer avec des ailiers pour essayer d'écarter un peu, ça aurait pu, mais... Vas-y, j'ai mis pause, j'attends que tu reviennes. Dur aussi, là. Allez, Luis Felipe, c'est notre moment. À gauche, Nelson, super, Guerrero, allez, un beau centre. Pas beau centre, c'est pas beau, allez Alan, débloque, Bellerin. Martins, c'est trop les gars, Bellerin. C'est bon ? Oui ! Oui ! Voilà. Putain, oui ! J'arrive pas à lancer le jeu. Putain de oui ! Vous en êtes où, vous ? 2-1 là, je suis en train, mais c'est chaud, putain. Nous c'est 3-0 là, 4-0. Oh, toi, t'es large, toi. Allez, on joue les 3 points, ouais, on joue les 3 points. Contre la bande à Bielsa. Non, pas de but maintenant. Juste pas de but maintenant. Tiens, on va toujours les autres tous gagner. J'arrive non. pas à relancer le jeu alors qu'il est pas dans ma barre de tâche. Loin. Yeah, j'en ai marre de jeu, ouais, putain. Et Gabbiadini, je jure, je vais l'acheter, ce fils de pute. Il est trop fort, hein. Il m'a mis un but, gros, mais... Pff. Ah, ça rend ouf. Oh, j'allais poser tranquillement le van, là, et... Je me fais clim la gueule. Il y a 2-2 là ? 2-2 là du coup ? Oui, mais non, j'ai pas continué non, le jeu. Je parle de PA, wesh. Oh. Moi, je crois que tu vas. Putain, wesh, mon jeu se lance plus, frère. Fais contrôle Alt Sup et tèche le directement. Je suis sur le gestionnaire d'état, je le vois pas. Bienvenue, toi, nous. La défense, elle est aussi claquée quand, ouais, c'est quand genre. Tu le relances, il se passe rien. Je pense qu'il faut juste que je relance Team, vas-y. Dernier changement, on va essayer de mettre un Ramsey en. Difficile en Mezzala, j'ai l'impression que c'est bloqué en 2004. Je te jure, c'est un putain de jeu de. Ouais, essayer de jouer comme ça, tiens. Comme ça, c'est bien. Hanté, les bugs comme ça. Il est trop bien, mais les bugs ils sont tellement cons. Un peu plus haut, ça m'étonne quand aller chercher grand chose là-dessus. Et que le truc marche plus, bah c'est nul quoi. Allez, tiens, allez en, les gars. En vrai, si les développeurs ils se penchent, allez, 5 minutes. Corner, allez, ça pousse, dernière minute, allez, dernière minute. 4-0, c'est pas du tout. Guerrero qui s'élance, Guerrero. Oh putain, il m'avait promis. Nelson. Oh, t'es tout jeune, mon Nelson. Allez, Luis Felipe pour Nelson. Nelson. Ah, dans la boîte, c'est pas bon. Attention à la contre-attaque. On sait ce qui se passe avec Gabbiadini. Super bien revenu, holding. Allez. Au moins, assurer le match nul. Allez, les gars, allez. Oh, le match nul à domicile, c'est pas bon. Au moins, je vais six pas minutes, prendre 6 minutes. Il n'y a pas grand chose à leur dire. 54%, 16 tirs cadrés. Allez, celle-là. Oh le poteau. Oh le poteau à la 95ème, c'est trop. T'es là, Kamel ? Ah, j'arrive, deux secondes. Ah putain, oh Kamel, putain, bah, j'ai cru que t'étais à domicile en vrai, moi. Ah non, je suis avec ça, ouais. Mais t'as mané encore deuxième minute, hein. J'ai pris deux buts sur deux tout droits dans ma défense. Ah, Zach, en vrai, tu fais comment pour marquer tôt dans le match comme ça ? C'est un truc de ouf, hein, les buts en early, ça. Et toi, tu fais comment, Kamel, pour faire que tes joueurs ils font des tout droits, on les arrête pas ? Ouais, tout juste sur le dernier. Ah bah moi non plus, j'en sais rien alors pourquoi je marque au début. Tout joue sur le dernier coup franc, coup de pied arrêté. Comme ça, c'est joué très vite, c'est pas bon ça. Mais putain, mais je jouais dans la boîte. De partout, on perd des points et Rob Holding à qui on avait fait confiance, Rob Holding qui nous avait promis de faire une grosse prestation, Rob Holding qui nous avait dit qu'il avait besoin de temps de jeu, Rob Holding qui nous avait assuré ne pas décevoir, qui vient de trahir ici des milliers, des millions de gunners qui n'attendaient qu'une chose, de se lever. Et récupérer les 3 points, c'est décevant. Je vous le dis de manière calme, t'as beau être démotivé, tu fais une belle game, mais... Juste, c'est décevant en fait, les gars. C'est décevant, Rob, je vais te le dire de manière agressive. Hein. C'est pas grave si tu sembles stressé, hein, faut que tu comprennes. Putain, deux partout, j'ai fait. Ah, le seum, je perds des points. De quoi ? Tu jouais contre qui ? Southampton, j'étais à domicile en plus, putain. Southampton Ah, vous voyez, Southampton, ça m'a vanné la... Ah, Gabbiadini, non. Gabbiadini, je te dis, gros. C'est Gabbiadini, je vais mettre marquage très serré sur lui. Ah ouais, Watford, mais je sais pas, ils ont quoi, ces... Ah, vas-y. Pardon, j'ai join, c'est moi qui ai fait bug, excusez-moi, les gars. Hein ? Non. De toute façon, moi, je suis en train de rattraper le match. En plus, je les ai fumés, hein.
Oh go, 9 matchs, ils sont encore là. Hein. Est-ce que tu te retapes tout depuis le zéro, depuis le début du match, Kamel? Ouais, bah j'ai dû relancer le jeu en fait. Ah ok. Il y avait personne qui regardait et ça a bug. Ok. Bon, ça arrive une fois sur 100. Mais... Du coup là, il y a juste Kamel qui a invaincu. J'arrive bientôt Zach, je suis à la 25. Malco, t'en es où toi? Il a perdu. 2-0 pour Watford. J'ai perdu 2-0. Oh, Watford invaincu à la 9ème journée, mais c'est. La honte. En plus, on les a tous joués. À ma défense, le souci, c'est que je joue haut, quoi. Mais et on laisse deux jouer. Alors, c'est pas le temps pour créer du jeu. Je suis là, Zach. Ah, ah, ça. Ah, Holding, bon, il m'a déçu, quand même. Ouais. Ah, juste, je pourrais pas faire de consigne, je crois. Je crois que ton. Fais attention, il a changé un truc dans ta tactique, ton adjoint. Regarde, c'est pas. T'es ah, ouais, ah, ouais, merde, je peux rien faire, en fait. Je peux que regarder, bah, c'est pas grave. À la mi-temps, à la mi-temps. Ok, ok. Oh! Oh mon dieu, il a tout changé, il a fait un 4-4-2. Il a sorti 4 mecs et tout. Je le déteste. Bon, un match nul m'arrangerait. Un match nul, putain. Arteta out. On est juste pour un petit but de Liverpool. Out. T'es ma frère. Il est dégueulasse. Oh, Sterling en pointe. Oh, ça rechange. De Bruyne côté droit. Allez. Ah bah, je peux. Bah, bonne chance contre mon adjoint. Ah, c'est mort. Non, c'est dur. Je suis dans les gradins. Arrête de mettre une défense haute, t'as pas les gars pour. Bah, en fait, c'est juste qu'on presse chez eux, quoi. Non, non. Le truc, c'est que mettre une défense hyper basse, ouais. C'est pas juste tu joues safe, c'est juste que aussi tu dois remonter 70 mètres de terrain, quoi. Soit tu joues chez eux, soit du coup, bah, tu gardes la balle chez toi, mais c'est la pas le but, quoi. Là, du coup, je joue pas hyper haut, je joue un peu comme Zach, quoi. Qui est quand même haut, mais. Tu veux vraiment rien changer là? Non, non, non. Non, mais tranquille, c'est pas grave, ça bug, ça bug. C'est la commande minute. Et moi, je prie pour un 2-2 là. C'est la 53ème. Ouais, bah 2-2, je signe. Le 2-2 met très bien, sinon Kamal il va s'envoler. Il va crever, frère. Et je ne fêterai pas parce que Kamel il peut rien changer, le pauvre, ça va être horrible. Mais quand c'est ça que oh, tu peux rien changer, c'est qu'il quitter le rejoindre, non? Non, non, c'est mort, il y a des mecs dans le chat qui me dit c'est mort. Ah, ah c'est, ouais c'est comme si t'avais laissé ah, à l'entraîneur, si, quoi. Fini, ok, ok. À l'adjoint. Ah ouais, du coup, ça va être... Oh! Qu'est-ce qu'il y a, pénalty ou coup franc? Non, non, faute de toi, je crois. C'est coup franc, ça. Il est bien placé quand même. Ah non, il est là, ok. Oh, il n'y a même pas tant fort pour le coup franc donc. Bonjour à Solari du coup. Oh là, Liverpool quand même, là ça presse. Hein. Oh, 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 c'était incroyable. Ederson, il est trop chaud, mon frère. Vous êtes à quelle minute là du coup? 65. Ah ouais, du coup, Zach. Il a fait un 4-4-2, ce fils de pute qui lui a dit. J'avoue que. Il s'est chauffé sur un truc chelou, quoi. Ouais, je vais garder ça. Attends, hop. Allez. Arteta, le goat. Oh le goat. Oh non, poteau. Oh, le c'est que sur coup de pied arrêté. Non, en plus, c'est. Après, avant le match. Avant le. Ça va, il y avait 2-1, c'était à la 30ème, ça pourrait aller des deux côtés. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'était pas, il y avait aucun coup de pied arrêté, quoi. Non, 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 bah c'est pour ça que j'ai dit ouais, j'ai dit de la merde. Ça a été deux tout droit. Allez, on en reste à 2-2, comme ça, voilà. 2-2, moi ça me va en vrai. J'étais ouais, vas-y, 2-2, on en reste. Match là. Nul. Oh, le but à la 92ème, moi je sens. En plus, t'as pas pu faire. Ah bah oui. Après, j'aurais pu perdre aussi. Hein, ouf, ça... Firmino blessé. Oh, pas de chance. Ah. Peut-être un 3-2? Non, 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 non. Kiki? Je kiffe, il fait quoi, wesh? Oh là, oh là, oh là, oh là. Il est pas si long. Ouf, ça fait peur, ça. Allez, voilà. 2-2, ça me va. Ça va, ça va, 2-2, c'est faire. Personne c'est s'envole au classement. Personne s'envole, ça laisse une chance aux autres. Si merci, les gars, s'envole. Parce que c'est vrai que c'était pas facile. Watford s'envole. Non, mais c'est à cause des bugs là, j'ai pas compris, c'est horrible. On a même pas pu jouer le match correctement. Ça a annoncé un sale match quand même. Hein.
Bah ouais, gros, il y avait 2-1 à la 2-1. Et tu sais, les stats étaient genre even, ça veut dire ouais, que c'est tout ça. Se qu'est-ce que je me serais mis bien si j'avais gagné, quoi. Ah, je suis déçu. Après, l'autre, il est passé en 4-4-2 horrible. Vraiment déçu. Vas-y, ça me va, au moins 2-2. On aurait pu coller avec eux, là. Ouais, voilà, voilà, c'est bon, tranquille. Au moins, c'est réglé, de toute façon. Dans tous les cas, tu pouvais pas quitter le match parce que sinon, ça aurait quitté tout le monde. Donc, il y avait pas d'autres solutions, pas d'autres moyens. Mais continue avec Yanis quand tu peux. Ouais, excuse-moi. T'inquiète. Tottenham dans la sauce. Ah non, c'est pas fastoche, là, pour Malco. En même temps, là, franchement, vas-y, c'est pas tard de dire ça. Pourquoi? Parce qu'il a joué contre Watford et là, c'est pas vraiment la sauce. Ah ouais, non, clairement. Non, mais ils m'ont volé, hein. 4 tirs de cadré, 2 buts. Moi, j'ai eu genre 17 tirs, un truc comme ça. Et Malco, dis-moi. 4 semaines, putain. Ah, du coup, j'ai pas largué, quoi. Merci, Zaki Kamel. Après, vous n'êtes pas largué, mais vous aurez aussi des matchs à Anfield à faire. Oh là là, il y a Paris United, ils ont confirmé que Pinizahavi, il essaye de faire rentrer Leonardo Jardim à l'OM. À l'OL. À l'OL, ok. Hein? Paris United, ils ont confirmé que Pinizahavi tente de ramener Jardim à l'OL. Les ennemis du PSG. Moi, j'en ai rien à foutre de ces ennemis de qui, moi, je veux juste que ce soit vrai. Ouais, moi, je pense que ça va se faire, wesh. Ah bah, j'espère. En plus, je vais te dire un truc, c'est ce que quelqu'un disait tout à l'heure, il a dit... Ramener Jardim à l'OL, sachant que ce sera cet été, Genesio il sera en fin de contrat, donc ça coûtera rien, tu sais, il n'y aura pas d'indemnité à lui donner, que dalle. Parfait. Sachant que Jardim, il a fait mieux que Genesio dans absolument toutes les compétitions. Et surtout, Jardim, c'est votre philosophie. C'est votre philosophie. Vive Genesio. Oui, Genesio dans ta grand-mère la pute. Genesio à la Juve, on l'espère. Pep. Arzac. Oui, dis-moi. Jardim, c'est votre philosophie 100%, développer des cracks, faire avec ce qu'il a. Je l'ai dit aussi. Oui, bien sûr. c'est le développeur. Moi, je vous propose qu'on fait le match de Ligue des Champions et après. Vas-y. Non, parce qu'après, il y a mal. Ah, attends, excuse, j'avais oublié. Vas-y, match de Ligue des Champions. Ensuite, on se planifie la prochaine séance. Vas-y. Je joue contre le Shakhtar Karaganda. Moi, je joue le Spartak. Putain, ils ont. Si tu perds contre eux. Moi, je joue Genesio. Le moment décisif. Oh, s'il te plaît, Bruno. C'est maintenant. C'est exact si tu perds contre Genesio, mais tu gagnes la Champions League. Mais gros, pour moi, c'est une saison réussie. Yo, Fall the World. Comment ça va? Il a signé en cher pour super cher. What? En Chine? Non, pas encore. De light, petite augmentation. Putain. Ah, le but de Magnolo Gabbiadini, là, de mort, là. Trop fort, le crack, lui. Hein. Mais il faut vraiment l'acheter. Hein. En vrai, il est même pas titulaire. Il a mec deux titularisations, trois remplacements, 5 buts, 4 passes D. Genre. Pourquoi t'es pas avant match? Parce qu'en fait, si vous voulez, avant Copenhague, c'est la seule journée que j'ai pu faire pour qu'on puisse jouer à FM et avancer le truc, du coup, exceptionnellement. Quel frère, merci Zach. Le Zach. Parce que si j'allais avant match, je n'avais pas joué de la semaine et c'est chiant, moi, je veux jouer. Putain. Puis avant match, c'est pas très grave, tu vois. Genre mais c'est bien, on essaye tous de faire des concessions pour que ça avance. C'est trop cool en vrai, parce que gros, c'est archi lourd là. C'est lourd, ah, c'est moi, lourd, tu vois. Mais moi, j'étais ma meuf pour jouer. Kolasinac, il a refusé le contrat or qu'il veut se barrer. Du coup, on commence à préparer la prochaine session, quoi. Pour voir tout ce qu'on est disponible chacun. Moi, faut vraiment mercredi toute la journée, sauf 21h, je crois. Ok. Toute la journée, du coup, bah. Mais toi, c'est mort, Yanis, le mercredi, non? Ah ouais, moi, mercredi, c'est mort, du coup. Toi, c'est quand? Au pire, c'est pas dramatique si on veut pas cette semaine, quoi. Non, mais réponds juste à ma question. De quoi? Ah, mercredi! Je pourrais pas... Attends, je vais voir mon emploi du temps pour être sûr et certain de ce que je dis. Vas-y. Moi, jeudi, pour l'avion, c'est... Il faut jouer le matin, si vous voulez, on se fait un 9-11. Il faut jouer genre midi 15. Parce que Malco, toi, t'as quoi? T'as cours quand, toi? Tous les jours, là, mardi, mercredi? Mardi, mercredi, jeudi. Ah ouais. Et genre de quelle heure à quelle heure? Ah, j'ai des grosses... Genre, je finis à 19h et tout. Ah ouais. Genre, mercredi, tu finis à 19h? Non, mais je crois que Yanis finit à 22h mercredi. Ouais. Enfin, je suis chez moi à 22h, je finis à 20h. Ouais, du coup... Mais le jeudi, ça va, je finis après, jeudi, je finis à 15h. Moi, 22h, je suis dispo, hein, si t'en jamais, je dis ça. Si vous voulez faire une session... Ouais, si vous voulez faire une session, moi, je peux. Si toi, PA, genre 22h, 1h... Mercredi, ouais, ça peut me chauffer, ouais. Okay. Bah, Kamel, ça va. Toi, Kamel, ça te dirait, genre 22h, 1h? Je vérifie juste, pas de dire. Moi, je vous donne des infos ce soir, mais normalement, je suis dispo tout le temps. Oh, putain. Quoi? Oh, je suis mort. T'es viré? Qu'est-ce qui se passe? Harry Kane, absent 3 semaines. Ah, j'ai cru qu'il avait un truc... De toute façon, même quand t'étais avec lui...
Ouais, c'est bon. Moi, mercredi soir, je peux, ouais. Vas-y, on se dit mercredi soir. Hein. Vas-y, mercredi soir, c'est parti. Comme ça, on aura fait au moins 2 séances, c'est lourd. Yes. En plus, regarde, là, on est déjà quasi fin octobre, là. Ah ouais, mercredi, ça avance on bien. On aller jusqu'à mi-décembre. Enfin, Paul Pogba, il mérite de jouer à Manchester City. Quoi. Là, on a fait combien de matchs, en gros? On avait arrêté un match avant le Real. Ah, on a fait 4 matchs, là. Hein. Pas tant que ça. Hein. Ouais, ouais, mais il y a eu des vacances, il y a eu le bug, il y a eu des matchs disputés. On va faire 5 matchs, là, en gros, sur cette session. Ah ouais, ils l'ont bien augmenté, quand même, cette année. Hein. Combien? Plus 500 000 par mois. Ah, mec, les augmentations de contrat, c'est... Moi, c'est Trent Alexander-Arnold, il est passé de 550 à 900. Surtout, après, il mérite. Hein. Je ne vais pas te mentir, vu la saison qu'il fait. Bravo, Alexander-Arnold, moi, il mérite aussi. Zlatan, c'est ton heure, mon frérot. Ah, c'est vrai qu'il y a Marco Reus, là. Ah ouais, c'est vrai que la Racaiola, je lui ai vendu Divock Origi pour 25 millions. Mais Origi est sur le jeu, en plus. Hein. Origi retrouve son ancien club. Ah, il est chaud, moi, je trouve, Origi. Origi, ouais, apparemment, c'est vraiment fort sur le jeu. Oui, oui, allez. Allez. Non, je rigole, désolé. C'est tout ce qu'on te souhaite. Tu sais que si Zavi fait venir Jardim... Tu sais que si Zavi fait venir Jardim... Et merci Wilaya. Il était Genesio du club, enfin il était Genesio, bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Franchement, je lui ai écrit un poème en israélien, en hébreu. Oh bah. Merci Zach, hein, c'est... Toujours, tel régal. Un poème à sa gloire. Oh, j'ai un de ces cracks dans mon club là. Zao Niri Kumertatel Arsef, frérot. Tapez Anthony Do, D-A-W-E. Il a 16 ans, gros, c'est Mbappé. Ah ouais? Ouais, tu vas l'envoyer sur le terrain. Ah, Michael Cousins, il devient quoi en fait? Il vaut 1 million. D-A-W-E. D-A-W-E. Ah, Do. Ouais, oh, pardon. Ouais. J'avoue, ça m'intime, je ne l'ai pas encore fait assez jouer. Il est bon, hein, mais je ne l'ai pas encore fait assez jouer. Il faut que je fasse jouer plus. En relais en prêt, moi, je te dis. Tu veux que je l'envoie après du côté de Manchester United? Mais ça qui est chaud avec les cracks quand on a prévu de faire 2-3 saisons, quoi. C'est que... Non, mais en vrai, un petit crack à 56 millions, tu l'envoies en prêt, tu demandes à qui squatter dans un club du style bah, West Ham qui nous casse les couilles. Tu vois, c'est quelque chose comme ça, je suis sûr qu'il va jouer. Il y a moyen qu'il revienne à cette fin de saison très 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 chaud et très utile pour toi. Merci du conseil, mon ami. Vas-y, on se fait un petit next. Vas-y, nouveau contrat pour Fabinho. Ah ben, on voit que ça désigne pas sur les sous du côté la merde. De détermination, ça à voir. Ah ben, c'est le seul qui sort, quoi. Ah, bon, je... Yo, prévention. J'avais aucun jugement de valeur, hein. C'est juste c'est un fait. Ça va être un bon 20 millions, quoi. Ça va pas être Ronaldinho, mais... Cornet Madness. Sur la coach bizarre Arsenal. Les gars, je joue Bruno Genesio. Oh là là. Wow. Ah ouais, Montaigne considéré formé au PSG. Je peux jouer à l'extérieur, quoi. Vous allez voir Lyon-PSG, au fait, le 3 février? Moi, j'y vais. Moi, je pense pas. Moi, je peux y aller, là, mais je sais pas, j'hésite. Il y a quelqu'un qui me voit une place. Moi, j'y vais, moi. Putain, j'hésite. Vas-y, oh, Zach, essaie de me convaincre en 3 minutes. D'ailleurs, ce dimanche-là, du coup, c'est le seul. Bah, bon, c'est rare, hein, mais je pourrais pas être là à Radio Sex. Ok. C'est quand déjà? C'est dimanche 3 février. Parce que c'est, le match se joue dimanche 21h, je suis au stade. Ok, ok. Ouais, normal. Pas vraiment. Un petit appel de Zach. Un duplex. C'est le conseil en hurlant. En hurlant, tu sais. C'est quoi le souci? Avec la grosse voix de Zach et tous ses voisins. Oh, la phalange, quoi. Voilà. Les notes c'est que le j'ai, tout mon effectif est au-dessus de 7 en notes de moyenne. Je pense que c'est parce que c'est le début de saison, mais... Moi, non, c'est vrai, il y a eu pas mal de matchs, quand même. Alors, c'est propre. Moi aussi, il y en a pas mal au-dessus de 7, et s'ils sont pas au-dessus de 7... J'hésite, est-ce que je fais jouer Hazard à gauche Je joue haut, on va jouer comme ça. Vas-y, on va tenter. À l'extérieur, j'ai envie de jouer comme ça. On joue quand même positif. Mais est-ce que je mets Hazard à gauche, Mickey en milieu offensif, tu vois, ou... Et Holding, ouais, bien vu, putain. J'ai pas envie de faire jouer Holding, je vais faire jouer Laurent. Et ouais, le Laurent. Vas-y, hein. Ah, let's go, Kylian Mbappé commence enfin à prendre son rôle. Parti. C'est lourd. Il a 8,35 de moyenne, Zappa Costa, les gars, mais il a joué 2 matchs, donc... Oh non, merde, putain. Et des matchs où on a mis 9-0, donc... Donc bon. Il s'est gavé. Hein. Ouais, voilà. Il a note pad contre les. Il a stat pad contre les petites. Oh, Yanis. Ouais, ouais. Faut que tu viennes au LPSG.
Ouais, bah vas-y, essaie de me convaincre en. Allez. On va avoir le meilleur joueur du monde. Il devrait combien la place, le gars? 30. 30? Ouais. Bah, tu vas pouvoir voir une atmosphère absolument énorme face entre deux grosses équipes. Une atmosphère que tu ne trouveras jamais dans le stade de ton équipe préférée. Qui n'est composé que de putains de Chinois et de. Non, je rigole, je rigole. Allez, bon. Bah, c'est la vérité, hein. Je prends pas mal. Après la lettre en hébreu. Non, mais en vrai, je dis ça pour rigoler parce qu'en fait, il y a un mème qui dit qu'au Barça, il y a que des. C'est pas même, c'est la vérité. C'est pas même, c'est la vérité. C'est dans tous les gros clubs comme ça. Genre, cite-moi un gros stade où il y a de l'ambiance. Dites-moi pas Anfield. Dites-moi pas Anfield parce que Anfield, c'est Unilever All Cologne. Après, c'est silence complet jusqu'à le prochain. Je suis pas fan de Liverpool, je m'en bats les couilles. Non, mais j'ai aucun stade. Oh, il trahit son club! Les stades allemands, genre le Bayern, j'aime bien. Dortmund, je kiffe de fou. Et après, les petits. Ouais, voilà, tu vois, mais genre, je veux dire. Gros, Bayern, gros, exception. Des stades de 70 000 places. Ils sont tous remplis. Bayern, exception, Malcolm. Non, dis-moi un club. Calibre, Real, Barça. Allez. Juve en Ligue des Champions, gros, c'est incroyable. Je vais faire confiance à l'adjoint. On fait que compliquer les choses sur quoi que ce soit. Le stade il est petit, ouais, mais c'est parce que le stade il est petit en fait. Se taise immédiatement de l'admiration plein les yeux. Allez, véhément, je parle en véhément. T'as absolument gagné là. Je veux un gros match. Oh mais vas-y, vous êtes. Attends, si je perds contre le Shakhtar Karabanga. Je perds 1-0 première minute. Ah mais c'est tout double les buts en fait. Mais Galatasaray ils sont incroyables. Annulé. C'est vrai que l'ambiance. Bah c'est pour ça tout à l'heure je demandais c'est quoi le stade de Galatasaray parce qu'ils ont pas de. Mais les Turcs, c'est un délire hein, là-bas. Ouais, c'est vraiment insane. Voilà. Faire 1-0 contre Bruno. Allez, c'est parti, les mecs. C'est qui a marqué? Origi. Allez, yes. Oh, Mohamed dans mes veines, le chat, s'il vous plaît. J'ai pas vu le but. Oh, le coup franc. Qu'est-ce qu'il propose? Pourquoi il se passe rien dans mes matchs? Moi, c'est fini. Il se passe rien. Let's go. Ah, moi, je le sens pas, là. Je le sens pas à Moscou. Allez, jouer. Oh, non. Mais j'ai... Putain! Oh, la pure! Hors jeu, yes! Non, VAR! Oh non, il va forcément le valider. Okay. Allez, Delali, let's go! Ah, il le valide. Le Wakanda. Mais la VAR, j'ai l'impression, elle corrige aucune injustice. Elle fait que de valider ce qui était c'est de la merde. Il y a jamais eu un truc. Je comprends les mecs, hein, les entraîneurs qui disent que c'est de la merde. Non, Bernardo Silva, Kylian incroyable! Bienvenue, JP! Ah, oh, c'est dur, les gars, c'est dur, on n'arrive pas à créer du jeu là. On n'arrive pas à créer du jeu, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'on trouve pas les. En fait, on a deux blocs. On a la défense, les deux milieux centres, et devant les autres. Allez, Eden, libère-nous. Oh, allez, on a besoin d'être libéré. Un peu de clim, peut-être. Bande d'enfoirés. Ah, et le Real qui gagne contre le. Eh, c'est Spartak, faut les gérer. Hein. Après, on a 63% de possession, c'est nous qui faisons le jeu, quoi. Il va falloir qu'on joue. Allez, c'est bien, ça peut nous aider, ça peut-être. Deuxième poteau. C'est loin, c'est loin. Allez, Luis Felipe qui remet sur Mickey. Mickey! Parfait ça mon Mickey, c'est exactement ce qu'on attendait, une réaction. Go Moscou quoi, mais elle est hooligan là, occupez-vous de lui là. Bloquez-le dans un petit coin là. Oh sublime. Pied droit, grosse frappe, exactement ce qu'on attendait. Fait plaisir en plus là parce qu'on a Ozil qui est blessé. Mickey va devoir faire le taf durant tout ce temps. Après, oh non, c'est à nous ça. Un peu plus d'intensité les gars. Ils sont trop peut-être en attaque. Super Alan, super le geste défensif. Allez Torreira, pose un peu ton jeu. J'ai l'impression que Torreira il a du mal à se retourner. Après, je le fais jouer défense. Je devrais peut-être le faire jouer soutien. Meneur de jeu. Oui, dommage. Alan. Eh, oh, j'ai juré Aubameyang que tu vas encadrer une des frappes. Tu vas arrêter de tirer sur le goal gros. Martins, le contrôle orienté. Oh les gars, frappez pas que sur le goal. Ah ouais, ouais. C'est quoi il a pris? Non. Ouais, ouais, c'est quoi il a tiré le penalty? Ouais. Il a fait la même chose, mais sauf que là il a marqué. Ah c'est chaud là. Some respect. Eh ouais, Dortmund il les connaît bien. Il les froisse à chaque fois. Le... sur Twitter ça a dit le mec qui a fait l'attentat, ça l'a donné, enfin il a donné une carrière à Mbappé. Oui bah super. Ça, s'il vous plaît maintenant il faut arrêter. Il faut arrêter les conneries. Hein. Allez merci, ça serait ouais, c'est quoi ce but de merde? Y a combien Kamel? Oh, cornet qui rentre, je suis dans la sauce. Ça. En tout cas, le petit Ben Woodburn, là, c'est bonne presta pour l'instant. Il fait un match de... Putain, moi, j'ai du mal, hein. Allez, Torreira. Non. Oh. Allez voir un match de Porto, c'est 90 minutes de champ. Ouais, ça a l'air lourd, le Portugal. On va y aller, nous. On y va, on y aïe, va. Aïe, aïe, aïe.
C'est vrai, j'ai hâte. Bah ouais, on y va nous trois ici. Ça va être lourd. Ah ouais. Vous allez à quelle maison? Oui. On va apporter... Enfin, mais comme ça. Comme ça. Ouais. Comme ça, non, ça s'est chauffé. J'ai lancé une grande propagande comme quoi fallait y aller. Friendship goals. On a tous Mbappé triplé. Mbappé, non. Dommage. Sané, Sané, marque-le ton but. C'est non, tu le donnes Mbappé triplé. Non, pas hors jeu, pas hors jeu, pas hors jeu. Ah, le but est refusé, dommage. Ah, Galatasaray qui bat Monaco en plus. Hein. Comment il a raté ça, ouais. Non, non, non. Non, stop. Ouf. Faut y prendre un but de cornet. Il a du mal peut-être un peu plus. Oh, Bernardo Silva, la passe D encore. Eric Nicolas d'ailleurs. Pépé, let's go, passe décisive de Joao Félix. D'ailleurs, quel Nicolas frère. Nicolas Pépé. Nicolas Pépé, il l'a glissé, putain. C'est inconscient maintenant, j'entends plus Nicolas Pépé. Let's go! Mohamed Salah, 9ème but de la saison. Hors jeu, hors jeu? Eh oui, hors jeu, ta grand-mère. Regardez, il distribue le jeu, Woodburn. Par contre, c'est honteux. Regardez ce qu'il a fait. Allez, Nicolas Pépé, 4ème but de la saison. Allez, allez. Robertson a centré. Oh là. Deuxième passe décisive. Et regardez Marcelo, comment il est. Quoi, Nicolas Pépé doublé? Ah, ouais, frérot. Je me disais aussi. Oui, Obama. Oui, Obama. Baisse ta mère! Rien à changer. Merci pour les 500 bits. Oh! J'ai pris un but de ça Dembélé. Incroyable, Obama. Oh, pas ouais. Foutu d'en planter un. Oh, Eriksen! Oh, Malco, pourquoi tu m'as vendu Eriksen? Pourquoi tu me l'as vendu? Non, me dis pas il est trop chaud. Je vais commencer là. Malco, fort, Eriksen. Non, il a non, 4 non, non. 4 étoiles et demi. Oh, incroyable, Leno. Incroyable, Leno. On est dans la sauce. C'est bon, c'est validé, on a gagné la Coupe Baguette. Tu vois qu'on a personne pour... T'as Eriksen pour la bonne somme de 5 millions. C'est dur. J'appelle le braquage du ciel. Oh, ça joue bien. Sadio Mané. C'est chaud quand je passe en attaque, je vais repasser Sénégalais en... Sénégalais sauvage, RAS. Je vais les passer en soutien, on est dans la merde là les gars. On est dans la merde, on est dans la merde. Enfin adapté à son poste, c'est bon. Marcelo, il est aussi nul dans FM que dans le jeu. Hein. Enfin, dans... en vrai, pardon. Putain, j'ai fait 40 tirs à 3. Mais gros, en même temps, tu joues le pizza, je sais mais pas Dan, quoi. Dan, il a trop de mal, je sais pas quoi faire. Vas-y, j'ai envie de mettre ça. C'est bon, j'ai envie de le tester en buteur. J'ai envie de le tester, j'en ai ras le cul, j'ai envie de le tester en buteur. Mais putain, l'OL de Genesio, ils disent fuck le football, c'est que des parpaings devant. Ah, Zach, il a célébré les deux buts de l'OL quand même. Là, je vais venir regarder ton match, j'espère que ça va pas, mec. T'inquiète. Non, mais attends, ils vont pas. Ouf. Vas-y, je vais en passer en attaque. Ah, c'est du changement, mon pote. Y'a tout qui change. Y'a tout qui change. Toi, tu perds, perds. Non, y'a un partout, mais tu connais Moscou, CSK, Spartak. Moscou, ouais, ouais. C'est dans la sauce, quoi. C'est exactement ça, allez, mon pote. Allez, Salah, 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 le triplé. Ça me met Hazard en pointe, si tu veux. C'est du choix qui est osé. Là, Salah, ah, 40... tu penses quand il est allé. Et 40 tirs à 4. T'as gagné au moins? Allez, 3-0. Que 3-0. 3 buts en 40 tirs, c'est... Ah, oh le poteau. Ah dommage. Oh c'est trop dur. C'est trop dur. Dommage, nice. Dans ma tête, je me frotte les mains là. Bon, c'est l'Europa League. T'inquiète que quand j'ai vu le 2 partout, Liverpool... Non. Oh, heureusement qu'il a mis sa tête. Iwobi, il est trop fort dans le jeu, non? Oh, bah ouais, il est trop fort. Oh merde, non. Il est 3-1 contre Dortmund, toi. Bien vu. Mais c'est incroyable de pas avoir de chat comme ça, là. Oh, c'est trop. Oh, putain. C'est la combienième? C'est la 570ème, je prends un sale but, là. Quelqu'un qui a join, non? Ouais, c'est moi, c'est moi. T'inquiète. Oh, Laurent Coco qui... Vas-y, on va mettre Zappa Costa à la place de Bellerin. C'est le moment ou jamais. Le coach, tu fais quoi toi contre l'FC Wakanda? J'ai gagné 3-0, frérot. Non, je suis dans la merde. Malco, le FC Wakanda, c'est trop drôle. PA, 150 millions de dépenses sur un joueur pour qu'il drop des disaster class comme ça. Prendre Galatasaray a gagné ses 3 matchs en hein, Ligue des Champions. Vas-y, Zach, t'arrives, ça bug et t'ouvres ta gueule en plus. Putain, ouais. Mais quel cauchemar, quoi. Ah, Kamel, tu voulais pas me croire quand je faisais que Galatasaray c'était un adversaire compliqué. Oui, non, mais après, tu les as joués en 8ème, différent. Moi, je suis allé avec l'équipe B en jouant le hors-jeu. Quoi? Allez. Dans les faits. Attends. Ah non, c'est bon, ça marche. Ah, c'est parce que j'étais pas au direct. Ouais, je les ai joués en 8ème.
Moi, je les joue en poule, donc je peux y aller tranquille, tu vois, mes matchs. Allez, PA, tu sais quoi, je souhaite que tu gagnes. Moi, je souhaite que tu gagnes. Le Spartak, ils ont fait nul contre Moscou. Hein. Je peux revenir pour tester? Vas-y, si tu veux. Bah, allez. Il fait des talonnettes comme ça, Zappa Costa. Allez, Zappa Costa, c'est pour toi. Alan, je t'aime. Oh putain, non, je t'aime pas. Si, je t'aime quand même. C'était horrible. 10 ans pour faire ça. Le Spartak, on fait nul contre Moscou. Non, contre le Real, pardon. Le match et je bouge. Là, c'est Zappa Costa qui a? Ouais, mais là, ça a bugué du coup. Zappa Costa. Juste, je regarde l'action, je pense. Ah, ensuite, tu vas revenir, on a 79-40. Ah, c'est bon. C'est ça. Oh, j'ai fait une causerie désastreuse. C'est que ça va te baiser ta saison, ça. Ils sont en colère, à part une déconnexion. Juste contre moi en plus. Avant vos jeux. Oh là là là, c'est dur. Ça va, j'ai trop. Bon, du coup, c'est la conquête après ces matchs? Yes. Ouais, ça, je m'en suis rien, moi. J'espère, à la limite. Du coup, Malco, à mercredi. Si, hein. Tu vas marquer là, hasard. Eh ben, Eden Hazard, 150 millions, 6,5 de notes à gerber. Hein. C'est trop nul quand il n'y a rien à la fin. Il a du mal. Il a du mal, putain, 60% de possession et tout. Après, mais, attends, tu le fais entraîner au bon poste ou pas? Parce que, ouais, non, ça. Ça a été déjà check. Moi, au début, ça. Mbappé était horrible. Hein. Là, depuis qu'il a appris dans la connaissance tactique, il a tout appris. Créer le surnom, mais non, ça sert à rien de se mettre dans la merde à ce point. Hein. Nul à l'extérieur contre Moscou, c'est pas si mauvais. Ça me met pas... Et t'inquiète, PA, le Real, ils ont fait un match nul aussi. Jure. Je te jure. 1-1 contre le Schalke 04. Oh, c'est propre ça. Du coup, t'es 3ème, mais. Ouais, ça va, ça va. Après, là, j'ai deux matchs à domicile contre le Real et contre Moscou, donc déjà, ça me met bien quoi. Et t'es à 1 point derrière eux, donc ouais. Après, Schalke, faut juste faire gaffe à eux parce que tu te déplaces là-bas. Non, mais en vrai, ça va là, parce que j'en ai fait un beau match quand même, juste. J'avoue que j'ai pris deux sales poteaux. Dommage pour ce match. Fais continuer, Yanis. Ouais, moi, les gars, moi je dois y aller, je vais pas vous mentir. Vas-y, tu peux quitter, je sauvegarde. Ouais, oublie pas de sauvegarder, voilà, c'est tout ce que j'allais dire. T'inquiète. Vas-y. Bonne soirée à vous, les mecs, et c'était beau. Ça marche. Toujours invaincu, je tiens à le dire. Et à mercredi. Merci, Richie. Attends, sauvegarde pas tout de suite. Enfin, t'es pas continué non plus, mais juste. Vas-y. Même si après Kamel, on peut faire un ou deux continuer vite fait, tu vois. Oh, clairement, tu peux nous mettre avant le match de samedi, comme ça. Ça, c'est vrai que, attends, on a joué mercredi, là, on joue samedi. Putain, c'est le rythme est élevé. Hein. Ouais, c'est. Ah, oh, par contre, les jeunes, on leur met 6-0, Anthony Do triplé. Je joue contre Malco dimanche devant tout le monde, là. Aïe, aïe, aïe. La pression. En plus, c'est chez moi. Pourquoi je peux plus lui parler? Tu vas massacrer, frérot. Mais non, Malco, putain. Je pense vraiment que tu vas gagner 9-0. Estimation, là, j'ai fait un petit deux matchs nuls sur les 4 derniers matchs. Économie, c'est ça. Les 4 derniers matchs, j'ai fait 2 nuls, une défaite, une victoire. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Putain, attends, c'est où juste le classement Ligue des Champions. Putain, l'Ajax, je vais aller les payer un peu là parce que je vois ils sont. Ça va. Putain, la défaite contre le Real, elle risque de coûter cher. Hein. Je vais pas avoir le. Alors, si je fais Europa League parce que je perds contre Moscou. Va falloir masterclass tout ça, quoi. Je te laisse ma place en Europa. Oh, c'est trop aimable. T'inquiète. Honte, Malco, l'Europa joue là, hein, parce que ça peut te sauver ta saison. Je parle en vrai, là. On va essayer. Hein. Mais frérot, j'ai pas eu de chance contre le Milan. Et... Alors, t'as gagné contre le Shakhtar, même pas le Shakhtar, le Shakhtar Karaganda. Gros, je connaissais même pas. Hein. Ah oui, c'est bah. C'est au Kazakhstan, apparemment. Tu peux même pas acheter leurs joueurs. T'es moi leurs joueurs, ils sont tous évalués à 0 euros. Zach. Allô? Ouais. Zach, ouais. T'écoutes de la funk? Funk 69 la trique là? Non mais tu m'as pris pour un beau. Tout de suite. Bon bah vas-y les potos hein. C'était cool en tout cas. Laisse là au pire, il n'y a que deux jours, donc comme ça, Kamel, ça lui change pas grand-chose, il retrouve tout, parce que s'il se retrouve avec 40 mails, même niveau strat et tout, ça peut être mieux. Vas-y, je fais sauvegarder, hop. Vas-y. Bah vas-y les gars, bonne soirée. Hein. Vas-y, bonne on se recapte mercredi soir, du coup. Ouais. Mercredi soir. Mercredi soir. Please. Attends, juste avant de quitter, Zach, juste que je revois le classement pour les gens, parce qu'il y a des gens qui me demandaient. 22h minimum, d'ailleurs, en fait. Je l'ai pas dit, genre, mais 22h30, c'est beaucoup plus probable, déjà. Ah ouais? Oui, oui, t'inquiète. Okay. De toute façon, on va commencer live 15 minutes plus tard. Ça a été un bon 5 matchs.
Et de toute façon, quoi qu'il arrive, je vais commencer les matchs sans moi, parce que de toute façon, je joue dimanche. Donc si vous voyez que je suis pas là et que j'arrive en début. Ok, vas-y, ça va l'OP, on fera le début, t'inquiète pas de soucis. Vas-y à toutes les potos. Vas-y. Ciao. À toutes.